Yo tout le monde bienvenue sur début un beau vidéo sur Yo tout le monde bienvenue bienvenue sur début un beau vidéo sur ils m'ont pas entendu les deux ah non ton micro était mute ouais mon micro était mute alors il était pas mute pour tout le monde heureusement donc le live va bien démarrer mais il était mute effectivement pour vous deux alors aujourd'hui live exceptionnel un grand débat avec un invité de marque qu'on ne, qu ne présente plus, j'ai envie de dire il tape déjà. Le chef El Chefo. El Comment chef. ça va El Capitou. C'est moi. C'est lui. El Riffet, le chef l'oracle cosmique. La passion. La passion, ça lui. va. Comment allez-vous Coucou le chat. On espère que vous allez bien ah, également. On est là, nous ça va, on est, on, là. Est là. on est là, on est là. <laughs> Et alors le live est en mode ralenti, on est obligé hein, parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir. On vous remercie franchement pour les partages, on a vu un peu ce qui se passait sur les réseaux. Merci beaucoup parce que ça fait l'émulation. On est très content que ce live vous hype, d'autant plus qu'on va pas mal débattre sur Dragon Ball Daima. Du coup, c'est le sujet du soir. Vous avez vu petite publicité, tu peux le remontrer. Hein. Non, c'est bon, c'était Non, mais tu peux. Là, c'était subliminal. donc. Euh... un easter egg. Un easter egg. Bah, il le remontrera à la fin du live. Restez bien jusqu'au bout. Alors, aujourd'hui, on va commencer déjà par resituer un peu nos points de vue. Hein, pour ceux qui suivent pas forcément les deux chaînes, il y en a qui viennent forcément de ta chaîne il y en a qui viennent de DB Times. Donc, on va voir un peu les deux points de vue. On va commencer par l'inviter, c'est normal. Qu'est-ce que tu as enfin, pensé, ouais. du Qu -ce que pensé du trailer Qu'est-ce que j'ai pensé du trailer c'est ça la question C'est ça la question. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai pensé le trailer Mais le trailer en lui-même, en fait, euh, objectivement, il est bien, le trailer. On voit une belle animation, euh, on voit une nouvelle direction artistique, il euh, y a de la musique, ça joue sur le côté nostalgique. Ça fonctionne, en fait, euh, le trailer en, en tant que tel. Euh, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un sum incommensurable, hein, euh, je vais pas mentir, parce que, euh, en fait, le délire en refait Dragon Ball GT, j'y avais pas cru. Ouais. Et on a beau me dire que c'est différent, que ça sera pas pareil sur le principe, le principe de base est exactement le même, pour le moment. Et du coup, moi, ça m'a fait poser la question, euh, en tant que fan de Dragon Ball, hein, parce qu'après, je vais avoir le point de vue de l'influenceur, youtubeur manga, ouais, ça va être autre chose, mais... Et je me suis dit, mais ils veulent aller où, en fait, avec ça Ça va... Où, Dragon Ball Tu vois ce que je veux dire Je me suis dit, est-ce que c'est pas... Il est peut-être temps que ça crève, en fait. Tu... Ils savent plus quoi faire. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire à ce point-là, je me suis dit, ah, c'est mort. Euh, et peut-être que j'ai tort, et peut-être que je laisse la porte ouverte. Peut-être que je vais être surpris, peut-être que je vais être le premier à sucer en disant, putain, c'est génial, faut plus de Dragon Ball comme ça. Peut-être. Mais là, comment ils l'ont vendu J'ai dit, soit ils n'ont pas compris ce que les gens voulaient, soit, euh, soit ils s'en battent les steaks et ils font n'importe quoi, en fait. C'est ça, ce que je veux dire. Ensuite, il y a le point de vue Youtubeur, mon gars. Je dit, ah super, va aller Dragon Ball, je vais pouvoir faire des reviews, je vais faire des vues, je vais placer du Red Shadow Legend, je vais me mettre bien. Voilà. <rire> <rire> mais le reste, le reste, je sais pas. Voilà, est-ce qu'ils est ont pas réussi à tuer la flamme Parce qu'en fait, moi j'ai vu ce trailer avec un espoir à la base, je l'attendais, hein, on a tous regardé le, le stream et tout. Euh, D'ailleurs le stream n'avait aucun sens, genre on, ouais, on stream l'événement mais euh, tous, les tous les images on les met pas, euh, c'est quoi l'intérêt ouais. Euh, moi, j'attendais que ça rallume un peu la flamme, parce que moi, le manga, j'en peux plus, là. Là, le manga, j'en peux plus. L'arc, euh, comment ça s'appelle Granola, qui était interminable. D'ailleurs, plus minable qu'inter, d'ailleurs. Tiens, voilà, je te sors des formules. Euh, qui tournait en rond, qui menait nulle part. Euh, Molo, pareil. C'était long, c'était chiant, et après, ils nous ont sorti quoi Ouais, on fait un hiatus de 4 mois pour euh, faire un nouvel arc, et c'est quoi C'est un espèce de préquel à super-héros dont on sent bat les steaks qui est en fait un espèce de remake de l'arc Grid Saiyan Man avec euh, Gohan et Videl, mais en moins bien. Euh, quel intérêt pour après nous ressortir le film son, 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 Avec des petits changements, mais qui n'apportent rien. Tu te dis, mais pourquoi en fait Sortez juste des figurines, arrêtez de nous casser les couilles au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire Donc moi, j'en avais marre. Donc je me suis dit, tiens, nouvelle série, peut-être, peut-être que l'espoir va renaître, peut-être que ça va rallumer la flamme, peut-être que ça va rallumer la passion. Bah Quand j'ai vu le truc, ça m'a refroidi de ouf. Voilà. Et pourtant ça a l'air bien en fait, parce que le, le trailer est bien, en tant que trailer tout seul, tu me mets pas Dragon Ball Super, tu me mets pas le manga, on n'a rien bouffé depuis 20 ans. Et tu me mets ça, je fais waouh ouais, truc de ouf, tu vois. Mais dans le contexte de tout ce qui est sorti, tu te dis, mais pourquoi ils font ça maintenant Ça n'a aucun sens pour moi. Voilà. Est-ce ouais. que je n'ai pas été trop long Non, mais c'est bien. Non, 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 non. Bah non, On t'avait demandé ton avis. Du coup, c'est bien. Justement, tu l'as développé. Tu as donné plein d'éléments qui vont permettre de nourrir ce live. Et d'ailleurs, on te remercie chaudement d'avoir accepté. juste, je te coupe pendant qu'on y est, euh, dès le début de live. Est-ce que tu peux monter ton micro, s'il te plaît Ouais. ouais. Moi, Il y a une sais. grosse différence de son entre le tien et celui du chef, donc euh, faudrait égaliser un parce peu. Parce que si je parle comme ça, on est bon, impeccable, bien, Vas-y, continue. Impeccable. Donc je disais, ouais, non, super parce que tu vas permettre de nourrir de plein d'éléments ce live. On est là pour débattre et justement échanger tout ça. Et on te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation parce que vous aviez été nombreux euh, lors du live euh, qu'on avait mené en direct de la New York Comic Con à avoir euh, réclamé qu'on puisse échanger, euh, notamment avec toi, au travers d'un live. T'as accepté. Merci Poteau d'avoir été là, ça fait super plaisir. Et, oui. euh, et euh, bah écoute, ton, ton avis et j'arrive à, à concevoir un petit peu ce que, ce que tu perçois. Parce que c'est vrai que euh, ce, ce sentiment-là, j'ai eu un étonnement quand il euh, y a eu les, les premiers leaks. Quand on parlait de Dragon Ball Magic, quand on, on, on voilà, on avait des rumeurs, euh, parce que c'était pas encore avéré, comme quoi, euh, ouais, Dragon Ball Magic, il euh, y a Goku qui va rajeunir, euh, il va faire des trucs avec Chine et tout, c'est vrai que j'étais à la fois comme toi en mode, ouais, ah, nouvelle série, et en même temps, je me suis dit, il va rajeunir, c'est quoi leur but, est-ce est... Est que ça va être bien, est-ce que ça va être magique, Est ce que... Voilà, je me... on, on se pose des questions. On ne on sait, sait pas sur quel pied danser. Et puis, euh, bah, quand le trailer a débarqué, que tu vois les premières images, euh, au-delà du scénario, même si je comprends qu'il peut surprendre parce qu'on voit le rajeunissement et on a fait une vidéo sur les plus, les moins et les avis. Et effectivement, euh, Léo te donnera ton avis, mais c'est un des points sur lequel on se pose des questions sur le bien fondé de ce rajeunissement comment ça va être amené, est-ce que ça va être crédible, est-ce qu'on va aimer ou pas c'est une peur euh, qui est légitime, mais on n'a pas plus d'informations sur le scénar actuellement, donc euh, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut se poser des questions. Mais je me suis surtout dit Putain, c'est beau, ils ont mis le paquet. Quoi. Et euh, voilà, l'aspect animation, le côté retour à l'aventure, les dires de Toliama, comme quoi on va vraiment exploiter des mystères du lore de Dragon Ball, qu'on va pouvoir enfin euh, peut-être avoir des réponses à Il a n'a pas dit ça à chaque temps. fois en vrai en Il vrai, apporte des choses, il non, non. Est-ce qu'il a pas sorti ça à chaque fois Non, 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 non. Ah, le truc du lore et tout ça, non, non. Et c'est ça qui est bien, en fait. C'est ça qui est pas pour... Euh... D'accord. Bon, bah, en tout cas, pour ceux qui attendent limite. ce côté-là, tu vois. Mais ça, ça va être, que être que du lore, on viens J'aime bien, du lore, mais, euh, tu sais, ça va être encore du lore qui va redcon totalement le manga, tu ah, euh... bah... Là, tu supputes, ah, mais... On espère que non, hein. Parce que si c'est pour faire ça, non, euh, évidemment. Ah, c'est euh... obligé, c'est obligé. Non, Déjà, ouais, Dragon Ball ouais. Super, tu essayes de le replacer, tu fais, non, mais attends, ça marche pas, tu vois bah à cause des 5 ans Et... à cause des 5 ans ouais. à cause des 5 ans à cause de virus à cause de zeno à cause de tout le monde truc virus zeno euh, tous les trucs qui se passent dans l'espace tu peux les c'est pas grave s'ils sont pas là parce qu'au 28e Tenkaichi Budokai, t'as pas nécessité de les voir c'est un tournoi sur terre donc euh, Ouais mais bon, il ouais, y a est quand même vrai. censé avoir 10 ans de paix euh, l'univers fait être détruit 8 fois tu mais ouais, bon, bah hein. ça c'est <laughs> bah, le problème bon. de l'ellipse de placer des trucs là-dedans nous c'est un truc de toute façon qu'on bah, qu'on n'arrête pas de dire en fait, c'est que c'est dommage que ça se passe dans, cette, dans ce laps de temps. On aurait aimé que ça Même. se passe pas. après en fait. D'ailleurs j'ai une question pour vous, Alors, je suis désolé peut-être que je parasite un peu. votre Non vas-y vas-y. Ou pourquoi on dépasse jamais ce plafond de verre de la fin avec Oub Pourquoi on sort jamais du 28e tome de C'est le 28e ou le 29e ne sais plus. Ouais, le 28e, bah, j'ai deux, deux réponses. Pourquoi hein, on va en fait. jamais plus loin que ça en fait Moi je trouve ça dingue, je trouve bah, ça aberrant parce qu'en fait ils se mettent une béquille à chaque fois avec cette fin du manga. Est-ce que c'est Toriyama qui casse les couilles pour pas aller ouais. plus loin je, je, pense, je pense que oui, je, je pense. Hein. Alors j'ai une réponse qui est officielle et une qui est une supputation de ma part. Je vais commencer par la supputation. Je pense qu'il aime bien sa fin. Et euh, comme elle lui convient vraiment comme fin pour le manga, il n'a pas envie de faire après quoi. Et la réponse officielle, c'est lui-même qui a décidé que Dragon Ball Super se passerait dans cette ellipse de 10 ans, parce que selon lui, c'était là où les personnages avaient le plus haut potentiel. C'est vrai qu'on avait Ultimate Goran, après il a arrêté de s'entraîner, donc euh, ça a diminué. Même si tu me diras que vu l'utilisation qu'ils font d'Ultimate Goran, bon, ça a quoi de foutre là. Et Vegeta ouais. et Goku sont effectivement bah, les Saiyans les, les plus puissants de l'univers après lui, donc... Euh... <laughs> Sur ça, 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 ça bruit, se tient. Sauf bon. Broly, quoi. Bah, vu qu'ils ont rajouté Broly, ouais, évidemment. Et sauf que mais ça devient de moins en moins si crédible. tu prends en le fait, manga, cette, de base... Ce, ce, ce premier point-là, euh, c'est ça qui est dommage, c'est que ils sont censés être à leur meilleur, mais quand tu vois, ne serait-ce qu'avec Dragon Ball Super, euh, Super Hero, là, où t'as un Goran qui est éclaté au sol parce qu'il est en train d'étudier les meilleurs insectes d'Afrique du Sud <laughs> là, sur son téléphone et son ordinateur, là. Donc, le gars... Euh, bon tu le mets dans une situation où il est en colère et il nous sort euh, la transformation en porc épic euh, t'as envie de dire euh, c'est bien la peine de prendre le postulat où il est au meilleur de son paroxysme si c'est pour le rendre éclaté au sol euh, comme postulat de départ du film pour qu'il dépasse ce qu'il était tu vois enfin je trouve pas ça oui, logique oui, oui, il, ouais. il aurait été éclaté de la même manière après le 28e si tu veux surfer sur le potentiel enfoui du gars tu mets pas en danger au même moment mais après le 28e il l'aurait réveillé, le porc épic en lui aussi. Ça, <laughs> <t 'as>, euh... <laughs> donc c'est ce postulat à vouloir toujours <laughs> faire de la surenchère de puissance, toujours aller plus haut, aller plus haut. En fait, faut pas qu'il se perde dans ce truc-là. Et moi, j'en ai un peu marre. Hein, je le dis, et je Léo le dit aussi. C'est un truc. Moi, j'en ai marre d'être dans cette ellipse. On... et Je sais pas justement quand va se passer Daima. Je sais pas si ça va être encore un sandwich. on va dire, ouais, mais non. C'était après tel moment dans Dragon Ball Super et avant l'autre moment. Donc, il faut le réinsérer. Moi, ça commence à me casser les glaouilles. J'aurais envie qu'on passe à autre chose. Allez, on, on prend bah la oui, après. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. On n'a pas peur, en fait. C'est ça aussi. Bah non. Puis on même le délire peur. de, comment dirait, comme disait Léo, euh, qui veut pas gâcher sa fin. Bah justement, on fait un autre manga qui se passe bien longtemps après. Comme ça, euh, Dragon Ball, l'histoire est finie, elle se tient. Parce que là, il rajoute des trucs. Et en fait, ça fait que la fin, elle ne se tient plus. Elle marche plus, en fait. Mmh. Mais Après, après hein, il se met mmh. des balles dans le pied tout seul, le frérot, Commercialement, là, je, coup, je pense que faire un autre manga aussi, euh, ça ça marcherait pas pareil. Je pense que les gens regardent aussi. Super. Non mais il peut faire Dragon Ball Super, mais Dragon Ball Super, en fait, ça se passe après Dragon Ball. Ah sur ça je suis d'accord. Ah sur ça je suis d'accord. Il n'y a plus de problème de temporalité. Ils sont obligés de surfer sur la licence de toute façon. Mmh. Et puis il n'y a personne qui est mort, tu vois. C'est pas comme si, admettons, tu arrives au 28 e et en fait, pour une raison X ou Y, Goku est mort, Vegeta était mort. Euh... Ouais, et mais ça, il faut Oui personne meurt dans Dragon Ball, c'est le, le principe. Ouais, non, mais, de... voilà, mais c'est pour, pour te dire, si c'était le cas, tu vois, on avait une œuvre comme ça et ils disent, bah non, si on le fait après le 28 e on est obligé de faire qu'avec ces deux persos-là, ça sera pas vendeur, faut le faire avant. Là j'aurais compris. Mais là, il n'y a pas de raison, en fait. Ils sont tous fous, euh, tu arrives au 28 e tu peux même rajouter Hoop dans la balance et tu pas handicapé par quoi que ce soit, et tu peux rajouter du, du drame et de l'enjeu. Il y en a beaucoup qui parfois rigolent du fait que je dis ouais Max il veut de la violence, il veut du sang, il veut des morts et tout. C'est pas ça. C'est que tu as peur de quoi là en fait euh, Là, là tu, tu, tu sais ce qui se passe, tu as, as la réponse avec le 28e, tu l'as là là, tu le sais. Mais est-ce que justement qu le fait de les faire rajeunir, je lance un pavé dans la mare, et après on va lire quelques super chats, merci beaucoup pour vos messages, et également des messages du chat hein, par rapport euh, voilà, à, à ce qu'on dit, euh, vos réactions. Je lance un pavé dans la mare, je réagis sur ce que vous avez dit. Est-ce que justement, c'est pas une tentative de remettre de l'enjeu que de faire rajeunir les personnages Alors, certes, c'est un truc déjà vu avec GT, mais est-ce que justement, comme les échelles de puissance étaient tellement pétées dans DBS est-ce que c'est pas finalement euh, intéressant de les faire régresser en termes de power level on va dire Pour avoir des oui. ennemis qui leur euh, donnent une vraie euh, confrontation, quoi, il y a une vraie menace en face quoi. Oui alors le problème, alors sur le principe, narrativement parlant, oui, mais déjà l'idée de Dragon Ball GT n'était pas mauvaise hein, de base. Euh, de justifier le rajeunissement de Goku pour recréer de l'enjeu sur ses aventures, le faire quitter la Terre, euh, l'envoyer dans d'autres endroits avec des nouveaux compagnons. En plus, le mettre en position un peu de mentor vis-à-vis -vis de Pan et Trunk, c'était pas une mauvaise idée du tout. Euh, là, ils repartent un peu dans le délire. Bon, t'enlèves Pan et Trunk, mais à la place, il part avec Shin et tout. Bon, bref, on est un peu dans le même délire de, des planètes et d'aventures. Euh, moi, je sens qu'on va avoir peut-être un espèce d'ersatz de de, de l'arc du ruban rouge. Tu vois On m'entend toujours quand je parle, là Ouais, ouais, t ouais bon, on t'écoute. Entend, euh, le problème, c'est de faire ce choix-là de rajeunir Goku au milieu. De Dragon Ball Super en fait. Ou avant Dragon Ball, Ball Super, faites mon en compte. En fait, parce que peu importe les, les, les défis qu'ils vont relever, ils n'auront pas de poids, vu que s'ils avaient eu du poids les événements de cette période-là, on, on les aurait évoqués dans Dragon Ball Super en fait. Donc là, on a juste un spin-off où il va se passer des trucs un peu aux F. Euh, C'est comme dans, quand on voit des films dans les, dans les, dans les, dans les animés d'aujourd'hui, tu vois un film One Piece, bon la plupart du temps, les événements n'ont aucune incidence sur le déroulé de la série, tu vois. C'est ce que je veux dire Ils ne sont, sont même jamais évoqués. Mmh. Bah, c'est pareil, mmh. en fait. Là, ce qu'on va voir, ça va être canon, mais c'est comme si ça ne l'était pas, parce que ça ne sera jamais évoqué. Là, ils vont avoir des bails de fou, un rajeunissement et tout. Euh, si ça se passe avant Dragon Ball Super, super Héros, ce qui est probablement le cas, euh, Bulma qui va demander à Shenron de lui rajeunir le cul, il euh, n'y a pas de référence. Bah, attends, je vous ai déjà fait ce vol -là, bande de bâtards, ça marche pas, tu vois. Par exemple. Mais, mais, mais ce que tu dis. C'est un point que j'ai souligné euh, quand justement on évoquait euh, potentiellement la temporalité de Daima. Ouais. Et ça me faisait peur, cet effet sandwich. Parce que s'ils nous disent. Est on a essayé de deviner un petit peu quand ça pouvait se passer. Cette histoire de Shin et Kibito qui sont euh, défusionnés. Et puis quand tu regardes un petit peu, tu analyses leurs euh, leur vêtements de manière générale. Hein, je ne vais pas utiliser les termes, mais au sens large. Ouais, ouais. Tu vois que Vegeta, il a son armure. Ce qui est pas du tout comme dans Dragon Ball, super, super nouveau, où émission. Il est. Euh, tu vois, il est euh, délesté de son armure, il est. Euh, voilà, avec un. Un peu comme Majin Buu, mais un truc plus ample vers le haut. ce oui, oui. que ce serait pas avant. Donc, si tu essayes de le mettre entre deux, je te rejoins, je me dis, parce que si ça se passe pas après DBSSH, ou après le 28e, mais j'y crois pas après le 28e, mais on va dire après DBSSH, c'est que c'est avant. Et si c'est avant, ben, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tout ce qui va s'y passer. Bah. Ben... Il faut qu'à un moment donné, euh, soit ce soit useless au possible et tout ce qui s'est passé après, on comprend pourquoi ils n'en ont jamais parlé. Ou soit, bah, euh, on va dire qu'il n'y a que dans DBSSH parce que ce qui s'y est passé n'était pas suffisamment développé ou alors en rapport, donc il n'y a pas eu besoin de faire écho, mais on en reparlera après, s'ils font une suite après. Parce que sinon, je me pose la même question que toi. S'ils en parlent jamais... Insérer des trucs avant, ça va poser problème. Tu vas dire ben, tu te rappelles pas qu'on a vécu des trucs à un moment donné, on était rajeuni, euh, tu l'as oublié ça Anodin, quoi. Même Molo ils en parlent pas. Euh, Toi, c'est bizarre Dragon Ball Super, t'as l'impression qu'ils vivent des trucs, mais bah, ça pas vraiment d'incident Là ça. pour le coup du, du manga Dragon Ball Super, je suis d'accord avec vous, c'est que c'est vraiment une side story un peu. Hein. Vu que y a le manga de Toetalo. Il y a l'animé de Toe Animation. Euh, les deux ne se croisent pas forcément et c'est vraiment deux adaptations euh, de DBS euh, qui vont d'ailleurs être de plus en plus éloignées avec un, ce qui se passe avec Akyo Yoku du coup. C'est le chef de la Dragon Ball Room qui fait sa propre société donc euh, Capsule Corporation Tokyo et il va gérer tout ce qui ouais. est les médias animés, jeux vidéo. Donc euh, le pôle manga sera toujours chez Shueisha. Donc il y aura toujours avec Dragon quoi. Ball Super en manga avec Toetalo. Et de l'autre côté, si jamais il y a encore du Dragon Ball Super, d'ailleurs j'ai une question pour toi, chef. Euh, ouais. Je te la pose juste après. S'il ouais. si y a encore du Dragon Ball Super avec l'animé, ça sera géré du coup par Ioku, euh, euh, la, euh, la Dragon Ball Room, etc. Et pour revenir sur ce que vous disiez, et avant la question, parce que oui, il y a beaucoup de, beaucoup de sujets. <laughs> euh, non, je vais commencer par la question, tiens. Euh, justement, tu disais en introduction de, de live que tu avais une attente pour ce trailer, mais que par rapport à tout ce qui s'était passé, il y avait eu le manga Dragon Ball Super, il y avait l'animé Dragon Ball Super et tout, t'étais déçu par le trailer, même si visuellement il t'avait plu. Mais du coup, ça veut dire que t'attendais ouais. toi, qui pourtant t'aimes pas Dragon Ball Super, enfin hein, t'aimes pas Dragon Ball Super, t'aimes pas toutes les productions. Euh, je vais pas parler à ta place, mais visiblement t'as pas aimé, comme nous d'ailleurs. Euh, les derniers arcs, comment c'est parti, etc. Mais t'attendais quand même du DBS, c'est ça Ouais, parce que j'attendais. C'est pas que j'attendais du DBS, j'attendais du Dragon Ball euh, au sens large en fait. Euh, parce que voilà, je reste euh, je resterai fan de Dragon Ball jusqu'à la fin de mes jours. Dans oh, mon cœur. Ça, ça gueille. Bon, juste pas. Aucun rapport, je suis parti en Mais <laughs> en fait, c'était pire qu'une attente que j'avais. C'était un espoir, comme je disais. J'attendais que ça rallume la flamme en disant Oh Oh et en fait, j'ai l'impression qu'ils sont ressortis les doigts pour produire un truc visuellement euh, qui a l'air ouf, en vrai, faut être honnête. Euh, surtout après le choix très chelou d'avoir fait DB Super héros en CGI, en fait. Bon, C'est ça, en fait, le problème de ce trailer. C'est qu'il témoigne d'une inconstance dans la licence, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, 4 ans, peut-être maintenant, on a des BS Broly. On se dit, ah, peut-être qu'ils ont compris. Tu vois ce que je veux dire? Ils nous font revenir Broly, le canonise, le film n'était pas dégueu dans la majeure partie, c'est juste les combats qui m'ont saoulé, mais euh, dans, la, dans, la, dans, la, dans la majeure partie du film, le film était intéressant, on explorait vraiment le passé des Saiyens. il y avait du détail, il y avait de l'esthéroïque, il y avait tout ce qu'on voulait, il y avait une animation et un chara design qui pétait sa mère. Euh, on se dit, ah oh, ils ont compris le truc, ils ont compris ce qu'on voulait. Euh, on était tous comme ça, on était tous en train de bander comme des ânes, on était comme des fous on s'est dit, ah ça est bon, là ils ont compris, ça repart de plus belle. Entre temps il y a eu le manga, on a dit c'est quoi cette merde à Un moment, Molo euh, on a dit au début, oh Mais moi, hein. revival de l'Arc Namek avec mmh. euh, la, la, la saga bou. On est bon. Après ça finit en n'importe quoi, euh, Goku qui sort des Susanoo, l'autre qui fait la taille d'une planète, euh, c'est quoi ça on est d'accord, merci chef. N'importe quoi bon, parce qu'on est euh, d'accord sur, euh, les... sur les, ouais, sur les ouais, mêmes points. tu supporte pas ce Susanoo. Vegeta <laughs> qui non, apprend tu vois, tu vois, une technique qui fait défusionner mais qui n'utilise jamais, qui sert à rien, il fait le téléportation, il fait "Oh, je l'ai appris mais je m'en servirai plus" c'est la technique de cacarote. Mm -hmm. Best à oh, ça, je je » Hm. grand-mère. qui fait un caméo qui n'a aucun sens, tu dis mais quoi c'est quoi ça? C'était pas le plus bref. gênant, Oub. Du moment que personne le voit, euh, enfin que ouais, Goku ou Vegeta ne le voit pas, moi ça, ça me gêne pas. Non, mais c'est oui, fin de service un, quoi. C'est Comment ça se fait que le Dai il est encore dans le dans euh, Et le pouvoir il est allé dans, il est allé dans Oub alors que c'est pas le même mec, voire enfin, c'est n'importe quoi. Ouais. Bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a une inconstance. Donc après on dit ah il va avoir un nouveau film et il, il, dans, les, dans les dans les leaks, d'ailleurs maintenant euh, aparté, dès qu'il y aura des leaks même qui sont absurdes maintenant je l'ai déjà dit ailleurs mais je le dis ici aussi, je les prendrai très au sérieux parce qu'à chaque fois je crois que c'est complètement débile et c'est ça, un hein, Broly j'y avais pas cru à l'époque. Je lui dis non ça peut être ça pas être Broly, il est pas canon, c'est pas possible, tu vois, hmm. boum des Broly euh, DBS super héros euh, full CGI J'y croyais pas quand il met les rumeurs Bon bah c'était ça, j'ai fait, ah vas-y, maintenant. Et euh, pareil pour euh, DB Magic, je disais mais non c'est débile, ils vont pas faire des BGT, ils sont con, ils ont refait des BGT, donc maintenant je, je les crois, bref, ce que je disais. Donc, ensuite on a le Lark Granola qui commence. Bon déjà on se marre parce que le nom du perso, voilà, Pépito, tout ce que tu veux, on était content. Bon on a, on a bien rigolé. On se dit, ouais il va y a avoir un teasing avec 73 et tout, il va y avoir des dingues et qui va récupérer le pouvoir de molo, faire des trucs et tout, que dalle. Rien à voir. Euh, les Hitters, on les voit, on fait oh, peut-être que c'est un, un espèce de callback aux mercenaires de l'espace. On va revoir des trucs genre Bojack et tout, que dalle, rien à, rien à voir. Et puis ils nous sortent un flashback, boum, ils nous mettent Bardock. Ah. Donc là je dis oh oh les bâtards, oh, oh oh ils ont, ils ont, ils, ont, ils, ont su, ils ont touché le point sensible, ils savent comment ah. faire nous faire bander, tu vois. Euh... Ils en font quoi de Bardock Absolument rien. <laughs> <laughs> voilà juste pour qu'on ait un caméo de, de Go enfin on a un clin d'œil et Goku qui regarde dedans et qui voit son père c'est tout ouais, ça n'a servi strictement à rien et en plus c'est complètement débile parce que euh, Bardock a réussi à friter un mec qui était beaucoup plus fort que Freezer mais euh, une fois qu'il arrive face à Freezer il se fait one shot tu dis mais euh, tu dis, quoi non, alors il est plus fort que Freeza dans le futur hein. là à l'époque où il le bat fort. en tout cas il est non, bien non, plus balèse que dans lui, le dans le, le futur euh... tu vois euh, oui, après, oui après il y a une leçon après, que... il il y a une leçon, ouais. Apparemment, Goku il se bat, il doit retrouver une leçon des Saiyans euh, en parallèle avec son père. Et c'était quoi son truc De la merde, ça oublie ça. Oublie Te un truc. Tu fais à pas chier à réfléchir à ça, c'était nul. C'est pas ça la volonté de gagner ou je sais pas quoi. Je fais mes coups de Oui, c'est ça. C'est. c'était, qu ce que tu me parles C'était ta sauvegarde. Tu fait 38 fois, pourquoi t'apprends ça maintenant Ça n'a aucun sens. Ouais. Mais oui. Mais... Tu mets ça le doigt, je pense. Après ils nous sortent Vegeta Ultra Ego, on fait ah oh, intéressant, l'inverse de l'Ultra Instinct, Donc, qui est débile en fait, ça veut dire que Vegeta se fait péter la gueule et il devient plus fort. Sauf qu'il perd quand même parce qu'il se fait péter la gueule. Mmh. Bon, bah, il reste Vegeta quoi, euh, ça, ça change rien. <laughs> bref. Euh, mais bref, on a eu Bardock, on s'est dit Ah oh, euh, super, ils ont trouvé le truc. Après c'est parti en sucette. Bon, on s'est dit Bon c'est pas grave, on va avoir le prochain film, ils nous annoncent Oui, euh, Goku et Vegeta ne seront pas les stars du film. On fait Ah bah, c'est ça, ça que, bah, une partie des fans demandent, bon, c'est ce que je demandais, mmh. c'est que Goku et Vegeta n'aient plus rien à raconter avec eux. On est d'accord. Vas-y, Vas viens, on fait autre chose. Mmh. Ils nous disent, ah, ça, sera, ça sera Piccolo et Gohan. On fait, oh, intéressant, ça va être fou. On voit le trailer, full CGI, armée du ruban rouge, on fait, allez. Alors ça, il est, le film est très sympa, mais c'était cousu de fil blanc. On voit l'armée du ruban rouge, on voit les Steveurs, voilà, le méchant, ça va être celle. Voilà, ça a été celle, celle Max. On voit Gohan qui voit Selmax, même pas un petit flashback, un petit trauma que dalle, genre oh là là, je vois rien, j'ai pas mes lunettes, mais baisse ta mère! Ça quand même <laughs> <y avait>, bref. <laughs> euh, Orange Piccolo, pff, qui oublie qui peut devenir géante, fait « allez, vas-y, bouge. Et, et Gohan Beast, on sait pas d'où ça sort, on sait pas ce que c'est, j'ai envie de dire, non mais euh, voilà, bref. Et en plus, cool oh. CGI. Alors qu'il y avait Broly qui était presque bien en fait, Broly c'était la bonne direction, et ils te partent dans d'autres choses. Et là on se dit, bon, euh, ils ont compris que des super-héros c'est pas ce qu'on attendait. Ils vont peut-être repartir dans, vas adaptation du manga, au pire. Et puis ils vont mettre, euh, même si l'histoire est éclatée du, dans le manga, peut-être qu'ils vont dans la version animée, ils vont réparer un peu le manga, proposer une animation de fou. Euh, tu sais, parce que là, si Drebes revenait en tant qu'animé, mm -hmm. ils avaient pu à, à faire la course avec le manga comme avant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. ah, Qu'ils avaient qu'à l'adapter mm -hmm. en fait. Donc ils pouvaient même partir sur une autre direction, on s'en fout, mais ils pouvaient faire revenir DBS avec une animation de fou comme ils ont fait, euh, tu sais, il y, y a One Piece qui a eu un gros step up en animation ces ouais. dernières années. Il serait parti sur la même direction pour DBS. Euh, c'était vendu, même avec une histoire éclatée, tout le monde regardait, tout le monde se paluchait devant, mmh. c'était bien, tu vois. Donc moi je m'attendais à un truc du genre, j'arrive le soir du truc, je vois quoi, et non un mec de Dragon Ball GT, je dis mais vous voulez faire quoi avec cette licence en fait Bon vous voulez faire du pognon, on a bien compris, mais il euh, y a une direction à un moment donné ou pas c'est ouais, ça qui m'a direction, c'est ce peut justement... en fait. bah, peut-être justement ce que je disais, tu vois, c'est de s'éloigner du manga, de laisser Shueisha faire le manga Dragon Ball Super, comme ça as ton histoire Dragon Ball Super, et de l'autre côté, toi Animation fait un autre animé. Alors, du coup, je comprends ouais, mieux mais... ton, ton point de vue. Hein. Euh, avais quand même... Pour moi, une œuvre, on n'est pas chez Fudge, c'est pas un buffet à volonté, en ouais. fait. Est... Mmh. Normalement, il y a une direction, il faut la suivre. Mais c'est' bon, parce qu'en fait, Dragon Ball, c'est en train de devenir ce, que, ce qui est devenu Star Wars. Ce qui est devenu Avec Marvel, plein de est -dire séries euh, Tiens il y, y a le logo Star Wars dessus Bouffe ferme ta gueule euh, La série a rien à voir euh, On fait une série Obi-Wan qui nique le canon de, de, des films Non s'en bat les couilles ta gueule Et Erwan McGregor euh, branle toi Mais, euh, Non en fait ça, ça marche pas comme ça Et Dragon Ball ils, font, ils sont en train de faire pareil en fait Après, euh, le... Peut-être que la série sera magnifique visuellement Peut-être même que l'histoire soit incroyable Mais pour l'instant comment ils le vendent, C'est qu'il n'y a clairement plus de direction Autre que euh, vas-y on va faire de l'oseille en fait tu ce que je veux dire ou pas Bah, je suis ouais. pas totalement d'accord avec toi sur, sur ce point-là. Je suis d'accord qu'effectivement ça se diversifie. Maintenant, le truc, euh, c'est que peut-être qu'ils ont compris qu'ils sont allés un peu trop dans le fan service avec DBS. Tu vois, avec 2-3 transfos à chaque arc, avec euh, scénario minimal, et puis euh, reprendre des trucs qu'on a déjà fait. Bon, là, tu me diras, ils reprennent le rajeunissement. Mais vraiment des ennemis. Ouais. On reprend Frieza, on reprend Broly, on reprend Cell. Si vraiment ils ont compris que c'était peut-être pas le truc à faire et qu'on part dans une nouvelle direction avec un truc euh, voilà, qui, euh, qui resitue un peu des enjeux parce qu'il n'y avait plus trop d'enjeux, qui enlève un peu les transformations et tout ça, est-ce que finalement c'est pas un, un mieux bah, euh, Peut-être que ça sera un mieux, mais c'est un mieux qui arrive trop tard en fait, euh, je trouve. Moi je serais entre vous deux en fait sur cet avis-là. Euh... Je l'avais déjà évoqué. Je trouve que, en fait, Dragon Ball ne jouit pas de ce qu'il mérite. C'est-à-dire que Dragon Ball, c'est une œuvre. T'auras beau dire ce que tu veux, t'auras beau avoir tous les haters du monde, de ceux qui disent, ouais mais non, euh, Dragon Ball, euh, c'est nul parce que on meurt jamais. Euh, ouais mais non, blablabla » Parce que ça, on en ira partout. Ça reste le papa. Dragon Ball, c'est le papa qui a donné naissance à un nombre incommensurable d'oeuvres. One Piece, Naruto et j'en passe. Ça reste la légende. Et ça reste encore aujourd'hui euh, le manga, la licence euh, numéro un dans beaucoup de domaines. Je pense que quand tu peux te targuer d'être à ce niveau-là, mondialement, c'est même pas genre juste dans un village, c'est mondialement. Tu peux te permettre d'avoir des scénaristes. Tu peux te permettre de dire Bon ok, euh, Toriyama n'a plus envie de dessiner, c'est Totalo, Totalo pardon, qui va prendre la relève Mais on parle de Dragon Ball la suite de Dragon Ball, ok, on va réveiller euh, le, la poulose d'or parce qu'il pense pognon, on va pas se mentir, mais il faut que ce soit quelque chose de carré, de fou, et on va prendre les meilleurs scénaristes et on va écrire un truc béton sur papier qui soit incroyable. Et tu commences comme ça, et limite, euh, tu fais une œuvre de fou, tu commences par le manga si tu veux, et après tu en fais son adaptation animée parce que ce que tu as écrit, c'est solide de fou. Ça plaît à tous et ça répond au code des Shonen ou au code de Dragon Ball, en plus de respecter les personnages parce que tous les scénaristes ils auront poncé le manga et ils ont appris par cœur la personnalité de chacun. On ne se retrouve pas avec des Goku teubés qui perdent les senzu dans les chiottes pour l'animer, ou des Goku qui fait je ne sais pas quoi dans le manga. Euh, des végétas qui prennent la place de, 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 de Goku euh, quand il va chez les Yardrat, euh, des, 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 des végétas qui donnent des leçons, où ils mélangent tout, où on retrouve un végéta de larc Cell alors qu'on est après l'arc-majinbu, bref, des trucs incohérents sur certaines choses. Fais un truc solide, tu dis putain, je retrouve mon personnage, ah ouais, c'est vraiment la suite, ah ouais. voilà tu prends tout dans son ensemble, tu fais un scénar solide, tu commences par le manga, tu fais son adaptation, il n'y a personne qui va rien dire. Tu as quelque chose de solide et Dragon Ball le mérite. Et le problème, c'est qu'ils ont, ils ont dit oh, « on va faire une petite suite, elle, elle vaut ce qu'elle vaut, elle a des plus, elle a des moins, voilà. on va pas refaire le débat de Dragon Ball Super, c'est pas le débat du soir, mais voilà. Euh, » L'anime a commencé, a été même en avance sur le manga, et ça a créé des disturbances sur les deux, et puis là maintenant il y a ce qui se passe, où on divise maintenant un peu ce qui se passe dans l'anime, un peu ce qui se passe dans le manga, il y a plein de gens qui sont perdus, ça se comprend, mais je trouve que la fanbase est perdue. Beaucoup de personnes disent Je comprends pas, c'est canon, c'est pas canon. C'est dans le manga, c'est pas dans le manga, c'est dans l'anime, c'est pas dans l'anime. C'est complexe en fait aujourd'hui pour une œuvre qui mériterait d'avoir de la solidité, d'avoir quelque chose de linéaire, quelque chose de solide, c'est béton, c'est Dragon Ball, tu dis, ouais, bah, même 20 ans après, Dragon Ball, euh, c'est le papa, quoi, il pose les balles. Tu vois, tu, tu prends des œuvres maintenant, il y a un manga de base, tu prends Jujutsu Kaisen, il y a un manga de base. On aime, on n'aime pas, mais il y a un manga de base. Demon Slayer, c'est pareil, One Piece, c'est pareil. Il y a, y, a, y a un support solide à la base. Là, euh, je ne sais pas trop, je, je comprends pas pourquoi Dragon Ball n'a pas mérité ce traitement-là. En fait, C'est juste ça que je me pose comme question. Toliyama est investi comme il l'est, mais il n'est plus aux commandes comme il l'était à l'époque, quoi qu'on en dise. Mais il y a des gens sur cette planète, je pense, que, quand tu parles d'une œuvre comme Dragon Ball, qui sont capables de marcher dans les au scénaristiquement et de dire moi je respecte de fou, on est 3, 4, on va faire un truc de fou, je vais poncer Dragon Ball s'il faut pendant 6 mois, je vais revenir, vous allez voir, je vais vous poser un scénar de malade, parce que le lore de Dragon Ball mais toutes les choses qui sont pas dites, exploitées développées mais c'est un boulevard c'est un périphérique donc moi c'est ça qui me dérange en fait, donc c'est pour ça que je suis entre vous deux, parce qu'effectivement je suis d'accord avec ce que tu dis que euh, ou bah... Ils sont ils, ils font des erreurs, ils tâtonnent, du coup ils me ils disent ah c'est pas ce qu'il faudrait faire, on va faire autre chose, peut-être effectivement. Et en même temps, euh, ben je suis d'accord avec le fait de dire euh, où ils veulent aller. Je, je peux comprendre cette question, parce que moi le premier des fois je me pose des questions en fait. Parce que quand tu regardes dans son ensemble la suite de Dragon Ball, ça manque peut-être d'un fil conducteur, d'une certaine cohérence. Voilà. voilà. Voilà mon avis, je pense, actuel, et c'est sûr que chaque nouvelle Dragon Ball fait. Mm. Pas nous fait stresser, mais on est comme ça en mode... Bon, qu'ils vont nous dire Qu'est-ce qui va se passer C'est bien, c'est pas bien. Va... Est-ce que ça va niquer Dragon Ball ou pas C'est pas ça. normal de penser ça, tu vois. Et tu sais, j'ai peut-être un, un élément de réponse par rapport au fait qu'il n'y ait pas de ligne, euh, comment dire, de ligne claire et de continuité claire, ou qui fait que ça parte pas dans tous les sens. C'est que le souci, c'est que les arcs sont pensés arc après arc. Tu vois, c'est pas mmh. genre on pense une suite jusqu'où on va aller et là on sait qu'on va s'arrêter à tel endroit. Non, c'est bon là on fait ça, après on verra. C'est comme ça en fait. Et tout est décidé mmh. comme ça, donc euh, bah, le, bah, là on va faire un film. Voilà, c'est ça le scénario. On l'adapte en euh, manga ou pas Bon allez, on, on va l'adapter. Donc vu que tout est pensé comme ça, tu peux pas euh, avoir une, une réelle continuité en fait. Tu as juste des histoires, plus des histoires, plus des histoires en fait. Ouais, donc, et, on, et on a peur à chaque fois. À chaque fois il y a des trucs, tu vois. Regarde, euh, le chef, tu te parlais tout à l'heure de RedCon. T'as vu le stress oui. qu'on s'est pris sur des RedCon mmh. Combien de fois il y a eu des RedCon Oh là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ouh, c'est quoi Ça correspond à quoi, ça, hum. ce truc ah ouais, Des réécritures, ouais, hein, ouais, ouais, ouais. pour ceux qui sont. Mais moi, j'arrive au stade a... où. Tu sais, ça me blesse même plus. Tu sais, je suis là, ouais, c'est enfin, baisé, tu vois. Je... Ouais, mais dans ton fort intérieur, tu le disais tout à l'heure, au-delà de l'aspect influenceur Dragon Ball, ça marche, ça fait des vues et tout. Et c'est quand même le reflet de l'attente des gens. C'est que si encore aujourd'hui, malgré que ce soit loin d'être parfait au niveau de ce qu'un Dragon Ball peut apporter, je parle du potentiel de Dragon Ball. Oui, oui. Tu vois, le nombre de personnes qui regardent encore Dragon Ball, qui est dans l'espoir, qui attendent et qui. Qui nage encore dans Dragon Ball, c'est une œuvre qui est forte de fou. On a au fond de nous, même si on dit wa, mais on a envie d'aimer Dragon Ball. Donc on a envie d'avoir de, de, cette magnifique surprise de dire putain ça va être le, le vrai problème, c'est que ça continue de marcher en fait. Euh... Ouais moi, je suis à la place, moi je suis à la place de Shuetsu et tout. Euh... Pourquoi changer un truc qui fonctionne en fait bah, Ça marche. Si tu veux faire. Ça marche. Bah on l'a dit, ça avant. Euh, le manga est toujours dans les meilleures ventes. Ça qui me... bon, je pensais que le manga est bidé, mais en fait non, il est dans les meilleures ventes de manga au Japon. Euh... Les licences à carton, ça cartonne, plus... ça rapporte plus de fric que One Piece. Bah, dans la logique, on va pas réparer un truc qui est pas cassé. Pour eux, Dragon Ball, ça cartonne de, de sa mère c'est un succès. En fait, il y a que nous euh, qu'on dit que c'est de la merde. Mais euh... les chiffres, les hommes mentent, mais pas les chiffres, comme on dit. Ça continue de marcher. Donc pourquoi ils s'amélioreraient Ils font de la bouse, ça... ça marche avant. Autant... Euh, mais, mais tu vois, euh, c'est aussi un, un argument qu'on avait donné dans un live et on, était, on avait débattu un petit peu sur ça, c'est qu'à un moment donné, très objectivement, si toi, tu es capable de souligner ces points-là, si moi, je le suis, Léo aussi, toutes les personnes dans le live, où on est loin d'être tous des experts, on va, on va leur laisser ce bénéfice du doute que peuvent avoir des vrais mangakas, des vrais scénaristes et des gens dont c'est le métier. Je pense qu'on n'est pas... Euh, on ne va pas être en mode prétentieux. Non, mais il n'y a que nous qui avons ces, ce regard euh, analytique de Dragon Ball où on est capable de, de faire la différence entre le bien et, et ce qui est moins bon. Je pense qu'ils sont capables de. Et, et là, on met le doigt sur l'honnêteté intellectu intellectuelle que doivent avoir les ayants droit et cette envie ou non de faire de la suite de Dragon Ball quelque chose d'immense ou de purement commercial. Ils sont capables aujourd'hui. Regarde, on est en live avec Manga Plus. Tous les mois, il y a le chapitre sur Manga Plus. S'ils ont vraiment envie de mesurer euh, l'amour des gens pour chaque œuvre, ils peuvent en lancer des sondages dans le monde. Ils peuvent lancer, essayer de. Euh, C'est ce qui se passait dans le Weekly Shonen Jump à l'époque euh, quand tu avais les chapitres qui sortaient, les gens votaient et si t'étais dans les derniers euh, parce que ton histoire a commencé à puer la merde pour les gens, eh ben, tu pouvais te faire euh, virer du Weekly Shonen Jump. Donc il y avait ce, 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 cette bagarre de, de vouloir euh, euh, se renouveler, de vouloir pro proposer de la qualité pour euh, être présent. Là, du coup. C'est quoi la conclusion Ils s'en foutent Ils s'en battent les couilles. Ou pour eux, c'est bien, ils sont bêtes. Je l'ai déjà hein. dit, c'est commercial. Dragon Ball Super est publié dans le V-Jump, donc c'est un, man... un ah ouais, magazine ouais. de produits dérivés. C'est pas c'est le Weekly Shonen Jump. Donc Moi, moi j'ai une théorie pas, sur euh, euh... les Dragon Ball Room, machin. Moi, je pense qu'il y a des mecs de la com et du marketing qui arrivent ils mettent des graphiques. Euh... Tu sais, voir Piccolo Orange, je suis sûr que c'est un truc comme ça. C'est genre... alors alors... Euh... On a un stock de peinture orange, de résine orange. Piccolo orange, c'est va faire une figurine. Non, Piccolo orange. Il y a orange, déjà trop de, de Vegeta. Bon, on va faire Piccolo orange. Bon, oh, ah, bon, pour je les. C'est même pas l'idée de. Ah, de... c'est même pas l'idée de Toriyama, ah, ça, si. Il si, 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 a si, fait. Si, si. Oh, ça serait bien qu'on monte des figurines Mais de Piccolo. Oublie un petit pas peu. un truc, hein. Oh, Tohlyama, c'est un gars du. de la pub à la base. Donc, il sait. Ouais. C'est lui qui a eu l'idée. Mais je veux dire, c'est que les mecs, qui sont dans la Dragon Ball Room, je suis persuadé que c'est pas des artistes. Je suis persuadé que c'est des mecs, c'est des commerçants, c'est tout. Regarde. Alors, alors c'est la... une figurine qui se vend bien cette hmm. On Peut-être peut de Gohan Allez, les décisionnaires, les gohan. éditeurs, tout ça, peut-être. Hein les, les éditeurs et tout ça, peut-être. Mais après, la Dragon Ball Room, c'est constitué aussi d'énormément de talents. Il y a des, il y a toutes les teams de Toei qui travaillent sur les animés, etc. Ça, c'est des vrais artistes. Mais ceux qui donc, sont donc, les décisionnaires. Donc ces mecs-là, ils sont doués et tout. Et quand ils voient Etrix avec les cheveux bleus, ils font OK, c'est cool. C'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui décident. Bah non, bah, tu décides pour autant, pas. Hein, tu oh, ce, pas. Ceux, ceux qui décident, tu sais, c'est euh, Akyo Yoku, les, les pontes, les éditeurs chez Shueisha et tout ça qui. Euh, mmh. C'est eux qui Mais... devraient dire à Toyama euh, Sensei, euh, sauf votre respect, là, euh, ça ne correspond pas. Euh, voilà. Mais ils n'osent rien dire. Euh. S'ils en avaient quelque chose à foutre et qu'ils avaient et le cœur de faire un coup je... bien, ils le diraient, tu vois. Bien sûr. Je vais, même te dire, je vais même vous dire une chose, et ça c'est un truc hyper paradoxal, c'est que, admettons, ils sont purement comme tu dis. C'est-à-dire, ils sont purement dans le profil commercial, et ils en ont rien à foutre de l'aspect scénaristique. Mais vraiment, genre, ils sont comme ça. Oui. Là, aujourd'hui, les derniers arcs, hein, Molo, Granola, ils auraient pu nous pondre s'ils l'avaient adapté, parce que les figurines... Euh, sont euh, la suite logique de l'adaptation animée. Vous n'avez jamais de figurine qui est des mangas. C'est toujours ouais. de l'animé, parce que Bandai va sponsoriser... Pas d'animé, pas tu, ouais. de figurine. Et du coup, Bandai, qui il dit, je veux être sponsor de ton animé, je vais exploiter l'aspect figurine. OK. Mais du coup, l'arc euh, Molo, les figurines de Molo, toutes ces dépictions... Toutes, toutes ces hein, toutes formes, il y en a 150. Euh, Vegeta Yardrat, tu peux sortir, ça va se vendre. Ultra égaux. Euh, tu nous... Ultra Ego, Goku Susano, tu nous fais euh, du granola, tu nous sors euh, gas, euh, tu nous... Sors... Il y a un, un monde de produits dérivés que tout le monde attend, en plus, parce que si on en croit, pas si tout le monde, une bonne partie de la fanbase Dragon Ball aujourd'hui attendait la suite de Dragon Ball Super. Donc, quand bien même il y a eu énormément de critiques, hein, qu'il y en a beaucoup qui ont chié sur les chapitres, tu as des gens qui attendaient ça, en mmh. animé. Donc ils auraient pu se dire, bah, bah on va sur ça, on va sur ça. Ouais mais non moi je préfère les faire rajeunir. Mais non Moi je veux te faire des figurines de Vegeta Yardrat, de ultra ego, là, Vegeta sans sourcil avec des boucles d'oreilles, là, comme Eminem. Je veux faire ça ou moi, ah ok, on va faire ça. Le font même pas Ils le font même pas Donc, oui, tant mieux, tant mieux, mais... C'est-à-dire que l'aspect commercial qui aurait pu primer à la création de ces choses-là, ou que peut-être Uchida, qui gère le V-Jump, peut-être qui a incité Teotaro et par extension de en mode oh ⁇ Ouais les gars on veut de la transfo, hein. c'est ce qui marche en ce moment, euh... allez on veut, on veut de la bagarre ⁇ Ça a même pas été exploité par la version animée, donc mm -hmm. c'est Mais... même pas le raisonnement J'ai une théorie hein. là-dessus, là j'y ai pensé comme ça, parce que justement il y a eu une... Comment Merci Thomas. Oui. Récemment à Hollywood il y a eu une grève des scénaristes mmh. et du coup les carabistouilles business des, des grosses productions sont un peu sorties au grand jour. Genre oh, Disney, euh, tu vois, je, ça a l'air d'avoir rien à voir avec le sujet mais tu vois, je vais y revenir. -y, dis Disney, euh, Disney Channel, enfin Disney, sur Disney Channel ils avaient plusieurs séries. Genre je prends une série à la compte, genre Anna, Anna Montana, j'ai jamais regardé cette merde mais c'est le seul truc qui vient à la tête. Anna Montana, saison 1 s'appelle Anna Montana quelque chose. Et quand ils font une saison 2, ils appellent ça Anna Montana euh, à la montagne euh, ou un truc comme ça. Et ils changent le nom. Comme ça, ils Martin. doivent pas donner de thunes à ceux qui ont bossé sur la première série. Mmh. La première saison. Et peut-être que Dragon Ball, c'est ça le problème. Parce que comme tu disais, euh, c'est Léo qui disait ça tout à l'heure, il me semble. Il euh, y a la Dragon Ball Room, il y a Capsule Corp, machin, il y a Shuesha, il y a Toé. Euh, peut-être que Toei se sont dit, Eh, on en a marre de partager le gâteau avec Shuesha. Si on fait Dragon Ball super, on va devoir leur filer des royalties ou des conneries comme ça, ou demander l'autorisation. Viens, on fait un autre Dragon Ball qui n'a rien à voir, qui n'est pas en manga, comme ça on les baise et on fait plus d'oseille pour nous. C'est peut-être ça, hein Alors je pense que tu détiens une partie du truc. Alors je pense pas que ce soit Toa Animation parce qu'eux ils n'ont pas trop le choix en fait, c'est le studio qui adapte, donc ils rendent des comptes forcément à Shueisha mais tu as peut-être raison par rapport à Kiyoku, à Capsule, Corporation Tokyo. C'est vrai que... C'est un délire en sous c'est Les il y a un autoroute de trucs à faire, ils le font pas. Donc il y a forcément une raison business derrière pour moi. Voyons, on, euh, que nous, on saura jamais, de toute façon, on saura mmh. jamais. Mais mmh. il y a eu des négociations à un moment donné, c'est bizarre que c'est dur autant de temps. Il y a eu des négociations à un moment donné, ils ont fait, bah non, si c'est comme ça, euh, on va faire une autre série plus tôt, tu vois. Parce que c'est pas logique, en vrai. Ouais, après le Il a problème, raison, Max, il dit ça, que c'est pas logique euh, s'ils veulent faire de l'oseille facilement, ils faisait l'arc molo et, et ça vendait de la figurine. Tout après, monde se, tout le monde se branlait devant l'Ultra Instinct et le Suzano Goku. Euh, et même 73, il hein, y, y a des trucs à faire avec 73 euh, C'est ça 73 qui s'appelait hein. Ouais, Seven euh, 73 Il y a 73. des trucs à faire, et ils l'ont pas fait, pourquoi bah, moi je pense qu'il y a des Tu il y a des Bixby en business derrière En boutique, c'est tout hein. Bon après écoute, du moment que ça nous est profitable Avec pas des scénarios en carton comme euh, la fin de l'arc Molo Et puis euh, la deuxième partie de l'arc Granola ils auraient pu le tout. modifier en animé Ils auraient pu faire euh, prendre une autre direction hein. Je suis pas sûr Mais bon je pense que tu vois, le, le début, la fin serait resté le même. On nous aurait modifié, euh, bah, certes, on aurait un visuel beaucoup plus attrayant, on va dire. Mais le, le... ce serait surtout l'intérieur, en fait, hein, de, de l'arc avec les. Après, voilà, tu, mais après, le climax, le on le garde être euh, Peut-être Daima, ça va être une masterclass. Hein. Peut-être. Encore ouais, ouais, une me... fois, un, tu me fais un arc du ruban rouge. Enfin, sans être l'arc du ruban rouge, vous comprenez ce que je veux dire. Tu mets un truc avec la même vibe de l'arc ruban rouge. Tu sais, au début, ça commence, c'est fun, c'est rigolo. Puis après, t'as un taupi-pi qui se pointe et là, ça devient un sérieux business. Moi, mm -hmm. bon, je veux prendre. Hein. Mm -hmm. Ça peut être super bien. Mais jusqu'à présent, euh, ils nous ont pas vendu du. Comme disait Max, ils ont rien vendu à la hauteur de ce qu'on aurait pu avoir dans Dragon Ball. Ils ont jamais fait mieux nulle part que le manga d'origine et l'anime d'origine, en fait. Merci Otman. On va lire et quelques super chats. Qu y avait moyen. Je suis totalement d'accord. Et on, et on justement, va justement... je vais vous poser une question vite fait. Je sais que t'as ouais, les Super 4, je vais une question. Ouais, Après, que le Super 4, Franchement, en vrai, vous êtes des fans de Dragon Ball. Ouais. En plus, maintenant, vous commencez à faire des... Enfin, ça fait un moment que vous faites, faites des revues d'autres licences. Quand vous voyez comment les fans de One Piece, ils mangent. Comment les fans de Jutsu Kaisen, de ils mangent. Comment les fans de Demon Slayer, ils mangent. Comment ça se fait que les fans de Dragon Ball, ils mangent de la merde. Comment mmh. ça se fait ouais. Ça vous fout pas le seum Moi, si, ça me rend si. fou. Hein. Mais j'ai une partie. J'ai l'impression de dire ça pour le rend... Mais je suis d'accord avec toi. Mais le souci, c'est que dans la fanbase, il y a trop de goûts différents. Elle est trop. Pour moi, elle est trop grande. La fanbase de Dragon Ball, c'est pas un reproche que je fais. C'est bien d'avoir euh, une fanbase aussi grande. C'est bien d'avoir autant de monde qui est touché par un manga. Mais du coup, ça fait autant de goûts différents. Et t'as des gars qui sont que passionnés par les combats. T'as des gars qui sont que passionnés par l'aventure. T'as des gars qui sont que passionnés par le côté transformation. T'as des gars qui sont. Tu vois, as plein de, de comment dire, chacun aime ce qui, aime son propre truc. Putain, Guiche, merci ouais, beaucoup. Il y tout ça, ça dans Mangadori. Je vois pas pourquoi impo... c'est pas impossible de mélanger tout ça. Ah, je suis fait. totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Bah, On en revient. Mais le fin de service malheureusement. Il a des vrais scénaristes et ils auraient apporté. À Dragon Ball, ce que Dragon Ball mérite d'avoir, on aurait été capable d'avoir... Voilà, pendant six mois, tu... Je sais pas, c'est pas compliqué. Tu dis, on s'attaque à Dragon Ball, les gars. On est parmi les plus grosses licences du monde. C'est comme Star Wars, Seigneur des Anneaux, Harry Potter. On touche à Dragon Ball, les gars. Ok, je veux les cinq meilleurs scénaristes. Tu prends les scénaristes, ils t'écrit des trucs et tout bidon. Tu les réunis, tu leur dis, les gars, on se revoit dans six mois. Pendant six mois, vous me poncez les 42 tomes Dragon Ball. Je veux que vous l'appreniez par cœur. Vous connaissiez chaque personnage, qu'on fasse un truc de fou. Six mois après tu les reconvoques, les mecs ils sont bétons. Ils sont là, qu'est-ce qu'on fait Eh ben on n'a qu'à faire ça. Non, parce que je me rappelle qu'à un moment donné il combat Vegeta, c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. Tu les fais être mastermind et tu fais un truc solide de ouf. Et là, les fans de Dragon Ball de la première, donc les fans des 42 premiers tomes hein, de Dragon Ball au sens large, même la version animée qui de toute façon est l'adaptation du manga, si tu as aimé Dragon Ball et si les scénaristes ont bûché comme des fous, sur l'apprentissage de l'œuvre pour en faire une suite réelle, inspirée, adaptée, qui en découle, tu ne peux pas ne pas aimer. tu, si, si, tu... Si, si, si. il y aura forcément des gens qui oui mais pas. Je... Oui, tu auras forcément des gens qui n'aimeront pas mais tu vas diminuer ton risque je veux dire c'est comme tout euh, apprendre par cœur quelque chose pour reproduire euh, un, un truc similaire mais différent c'est quand même mieux que de partir yolo dans l'aventure sans connaître euh, 20% de Ça, des bases du début ah, euh, ah qu'il dit tu c'est sûr hein. Maintenant, ça, je, juste ça. je pense qu'ils ont et voulu... On comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils ont vraiment voulu faire du arc par arc. Voilà, t'as fait exploser celle, Gitch. Merci beaucoup. On va lire les chats <laughs> dans un instant, désolé. Ouais, je pense que comme ils font du arc par arc et qu'ils ont voulu vraiment... Je pense qu'au début de DBS, ils ont voulu se faciliter la vie en fait. Déjà, rien ouais, que le fait que, le que DBS droit. commence avec euh, les deux films DBZ adaptés, là, Battle of Gods et la résurrection de F, prouve déjà le postulat. Et ensuite, ils ont été à tâtons. On nous propose un tournoi. Bon, le tournoi, c'est pas le plus difficile à développer. Donc, même sur ça, Tolyama, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis, après, euh, enfin, un vrai arc avec euh, Trunk du Futur. Donc, beaucoup Black. Mais euh, tu vois, tu sens que ça a été fait euh, petit à petit et que ça n'a pas été pensé en amont. Et je pense qu'ils ont voulu se faciliter la vie avec des transformations, des trucs comme ça. Non, et que du coup, qu on, on se retrouve fait. avec. Euh, bah un moment donné quand on a poussé Dragon Ball, le, cur, le curseur de Dragon Ball Super au maximum où on a fait le tournoi du pouvoir où le scénario il était zéro mais que l'action et euh, la tension euh, attention bon, l'action surtout on va dire l'animation pour ce qui est de l'animé était top pour la série de 2015 on va dire bah après c'est compliqué de... Voilà, ils, ils vont se dire, ok on a mis l'ultra instinct, c'est génial, fin de service top. Ils ne plus faire demi-tour. On, voilà, on peut plus faire demi-tour, on va continuer avec les transfos comme ça. Mmh. Du coup chaque arc maintenant, nouvelle transfos et trucs comme ça. Donc c'est pour ça que pour Mais nous, quand on a découvert ce trailer Dragon Ball Daima, c'était vraiment un petit vent frais. C'est ⁇ oh putain, transformation, il n'y a plus Génial quoi. Top, on part à l'aventure. ⁇ ah bah euh, super, tu vois un peu l'aventure, tu parlais de l'arc la, du Red Dragon, mais c'est ça. Tu pars à l'aventure, bon là c'est pas avec le Kington, c'est avec un vaisseau spatial ou que sais-je. Mais euh, on va voir euh, d'autres trucs, on va rencontrer d'autres personnages. Parce qu'il y a des rumeurs qui parlent de deux nouveaux personnages d'ailleurs qui n'ont pas encore été dévoilés. Vu que tu disais euh, ouais, maintenant mais... prendre les rumeurs... Euh... <laughs> moi je moi, je suis sur un tapion. Ouais, ouais, J'ai plus peur de rien, ils vont mettre tapion. Tu <laughs> penses qu'ils vont canoniser Tapion pour, euh, pour utiliser ce mot bah, Tu m'aurais posé la question il y a deux ans, je t'aurais dit non c'est débile, mais aujourd'hui euh, bah, j'ai euh, tort. Tout est, dire, euh, tout est faisable. Moi quand je pense logiquement, ça marche pas. Donc il faut être le truc le plus débile, vas-y ils, ils vont mettre Tapion. Ils vont mettre Tapion, euh, ils vont ah, mettre le Béga... Moi, moi c'est là où j'ai là où j'ai mal à mon Dragon Ball, parce que, parce que quand j'entends tu dis ouais toi il y a deux ans, mais maintenant... Euh sont capables que je vois euh, Kyo et je suis totalement d'accord avec toi tu dis euh, ils ont pas voulu ils ont voulu se faciliter la vie sur certaines choses c'est là où j'ai mal à mon Dragon Ball en fait c'est que des gens soient capables de de pas prendre Dragon Ball au sérieux suffisamment en tout cas de lui de lui rendre justice comme il le mérite c'est ça en fait moi qui me rend fou dans tout ça je prends et, et voilà et là on a daima c'est un vent frais etc machin mais je, je, je... Tu vois, moi, je, je tu m'aurais dit, bah, Max, tu vas faire la suite de Dragon Ball. Déjà, j'aurais été comme As. Félicitations. Dit, je bravo, je sais pas. De... Non, mais franchement, bravo. Tu vois faut, faut que je Non, mais je rigole. Mais je, toi, t'es comme ça et tu dis, putain, faut que je fasse un truc de fou. Putain, je suis attendu, quoi. Dragon Ball, on parle de Dragon Ball. On parle pas d'un gars éclaté qui a fait une œuvre qui a eu 100 personnes. C'est ça, en fait. Pourquoi non, mais après, t'as la pression, tu sais. Toyota Lou, il doit avoir une pression de, de taré. Hein. Et eh bah, ben justement, plus tard, euh, tu prends des pas. scripts de Il y a, a d'ailleurs, il y a très justement, merci euh, tout à l'heure, euh, je sais plus, c'est Jajad, je crois, qui m'a redonné le terme. J'avais un terme en tête, j'arrivais pas à le ressortir, et c'est ça. Tu prends, des, Ça s'appelle des scripts docteur? Et des mecs, qui sont là, tu fais appel à eux pour améliorer un scénario. Ouais. Tu dis, c'est Dragon Ball, les gars. Je veux 5 scripts docteur. j'en veux 10. Ouais, veux mais 20. après, Bonjour. quand t'en as plein comme ça, ah. c'est une preuve que tu sais pas écrire aussi. Donc euh... ou Même prendre ah, ta roue je pense que c'est une connerie de base, non. Ouais. Pour un... moi, je... moi c'est pas une preuve que tu sais pas écrire. Pour moi, c'est une preuve que tu veux apporter le meilleur de la qualité à, à une œuvre parce que personne n'est infaillible et qu'il y en a plus dans 20 têtes d'experts que dans une. Ouais, mais tu peux pas écrire un ouais. scénario à plusieurs mains. Je suis... moi, je pense pas. Si, bah, si, ils font ça pour les séries télé. Les euh, films ouais, bah, souvent. Les films. On... Ah, quoi, alors, deux trucs différents. Si on écrit un film ou, euh, ou, ou un truc comme. Euh, voilà Le, le script d'une vraie série comme euh, Dragon Ball Super ou que sais-je. C'est pas pareil pour moi qu'une série où tu as ton épisode et tu dois euh, faire appel à un scénariste pour un épisode. Faire appel à un scénariste pour un épisode, etc. Moi, je parle du script de base. Tu vois, celui que Tolia m'a fourni, celui que euh, le scénariste de la série doit fournir. Vraiment, le script à la tête. Normalement, il n'y a qu'un seul scénariste à la tête du truc. Pour ce qui est des, des séries euh, live et tout ça. Normalement, le scénariste de la série, et ensuite tu as effectivement le, les scénaristes des épisodes. Moi, je parle vraiment du scénariste qui est à la tête du truc. Tu peux pas faire ça avec neuf gars, tu vois. T'imagines, neuf noms au crédit du, du machin, mais il n'y a pas de pas, pas forcément neuf, mais euh... enfin, moi ouais, ouais, j'ai exagéré. C'est parce que je voulais exagérer sur l'aspect Cali, mais voilà. Au pire, tu prends deux scripts docteurs de renom. Plus le gars qui travaille, ils font un, un brainstorming à trois, ou justement ils font du répondant. Euh, attends, euh, tu vois, tu prends Pierre, Paul, Jacques, t'as Pierre qui dit, bon, on va partir sur ça. Paul qui dit, ouais, mais attends, oublie pas, regarde, à ce moment-là de l'œuvre, il a dit ça, ah oui, c'est vrai et tout. Et Jacques qui dit, ouais, et d'ailleurs, on pourrait peut-être le croiser avec ce que tu as dit tout à l'heure. Ah ouais, super, ok. En fait, c'est ça, c'est un enrichissement, bien sûr, neuf, j'exagère, je suis d'accord, après, trop, tu le trop. Mais voilà, apporter simplement des garde-fous il y a un gage de qualité pour structurer une œuvre, ne pas oublier des détails que les fans vont voir parce qu'ils sont nombreux et où à un moment donné tu dis putain mais gars comment t'as pu passer à côté de cette évidence combien de fois combien de fois j'ai vu dans des commentaires dans des trucs à tort ou à raison je suis pas en train de faire le, le tribunal mais, mais comment ça se fait que ils ont pas vu ça euh, ouais je suis sûr Tolia moi il lit plus ces mangas parce que c'est pas possible de passer à côté j'ai vu des trucs bref comme je disais à tort ou à raison c'est pas le débat mais des fois il y a des erreurs où des fois on dit putain c'est pas possible ils pas pensé à ça, etc. Ou tu te dis, bah, peut-être que s'il y avait eu au départ une, une volonté qualitative de proposer vraiment ça, peut-être que ça aurait pu éviter. Mais ça revient à, à ce que tu disais que tout à l'heure, ils n'auraient pas dû raisonner en court-termiste. Ils auraient dû raisonner en mode on va faire la suite de Dragon Ball, mais on va la penser et, euh, plus ou moins lointaine, et donc on va créer quelque chose de solide. Euh, on va essayer de ne pas inventer un truc là pour dire d'inventer un truc, et puis on verra après comment on s'en sort avec ce qu'on vient de créer, si on est capable de faire autre chose mmh. et tarabiscoter des, des suites qui s'entremêlent, oui, mais qui manquent parfois de profondeur scénaristique. C'est dommage. Je pense que c'est lié intrinsèquement à la motivation de Toliyama. Je pense qu'ils n'avaient pas Tolima. envie de trop le déranger. il est Déjà, ils lui ont demandé pour un film, il a fait le scénario de Battle of Gods, ça a bien marché, il a fait le scénario de La résurrection de F, voilà. Il a voulu s'investir de plus en plus vu qu'il a vu un peu que s'il laissait les clés à d'autres c'était un peu de la merde Dragon Ball Evolution coucou mais tu vois il venait le chercher au début et j'ai pas l'impression qu'ils lui ont proposé une série longue durée en fait j'ai vraiment l'impression qu'ils lui proposaient des projets et il disait oui et puis euh, voilà ouais. j'ai pas l'impression ouais, que Non mais je pense c'est la sensation projet, que j'ai en tout les cas on va lire quelques super chats et il y a des messages également pour dire. le chef. Alors, Sofiane, qui déjà qu'on remercie, merci beaucoup, Sofiane, il dit Ils auraient pu exploiter le royaume des démons, le passé de la famille de Frisa, le passé du docteur Gero, etc. Mais ils font des chibis, ils sont séniles, c'est fou. Ouais, on peut faire plein de trucs dans le passé, un hein. Sénine, sa jeunesse, etc. C'était une question, ça Ou c'était quoi Bon, non, c'est ouais, un message bon, du chat, bon, tu peux réagir si tu veux. Si ça t'inspire. Je pense qu'à jour, au bout d'un moment, toute façon, Dragon Ball, pour moi, ça finira jamais, de toute façon. Il euh, euh, y a trop d'oseilles à faire. Donc, je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'ils se réveilleront et qu'ils viendront à faire ça. À faire des, spi des vrais spin-off. Hmm. Euh... Star Wars bah, Soit ça, euh, soit la suite. Genre, ils vont prendre comme à un moment donné Goten, Trunks, ils vont faire le fils de Broly et de Kefla, je te dis n'importe quoi. Hein. Ouais, je pense ça vont faire un super. Berserker, euh, de je sais pas quoi, parce que c'est la puissance de la bagarre, avec Oob, euh, voilà, ils vont créer des trucs. Ouais, ils vont euh... faire un reboot, sinon. Euh... oui ils vont faire un reboot, euh, oui, oui. Je sais pas, ils même ils ils en manga, le Ball. début de Dragon Ball Super, enfin, tu vois qu'ils voulaient pas prendre de risques, ils ont pris un mec qui dessinait exactement comme Toriyama, ils sont pas fait chier, tu vois. Je sais pas. Moi, franchement, je pense que Dragon Ball, pour eux, c'est le fric facile, en vrai. Ils vont pas faire d'efforts, c'est juste « vas-y, fric facile ». Mais bon ça. bref, bon, on va voir, ouais. on va voir avec Daima, ça va être intéressant, t'as Killer, ouais, ouais, merci cool. Killer qui disait ça fait plaisir de voir le chef otaku, bah écoute Killer, profite, c'est des moments euh, exceptionnels, ces petits live débats, on espère que vous plaisez, ouais, Matisse. Bon, il y, vous... y en aura d'autres, euh, Dragon Ball Daima qui sort, euh, mais oui, bah euh, oui c'est sûr, y en aura ouais, ouais, Bah non, déjà non, il y aura certainement, ça, c cool. euh, si t'es si chaud, on pourra faire un live critique dès que, dès que ça sera sorti histoire Pourquoi de, de voir va. un peu nos points de vue et, et de les confronter. Il y a Matisse ouais. qui disait, en voyant le niveau général de DBGT et DBS, je vois pas comment être optimiste pour Daima. On va se prendre à 3-0 et un coup de boule de Frisin. Pas optimiste <laughs> Matisse. Euh, Bibir, merci. Il dit, salut, vous êtes beau et vous sentez sûrement bon. Merci, c'est gentil. Plaisir. Kenzan, yo les gars, content de vous retrouver pour ce live, j'en profite pour remercier le chef que je suis depuis pas mal d'années, car son contenu a énormément contribué à éveiller mon esprit critique. Voilà, bon live à tous, merci beaucoup Kenzan. Et eh bien, tant mieux. Artémission, yeah. on te félicite, on te remercie pour ton... ton sub. GE, merci pour ton super chat également. Wow, plaisir. vous êtes beaucoup, Sensei. Davy également, euh, vu qu'on n'aura jamais de suite de Dragon Ball, est-ce que vous pourrez vous associer pour nous écrire la suite Poste 28ème, vient financement participatif. Non, on peut pas, c'est pas, comment dirais-je On me très souvent la question, euh, c'est pas possible. On se si ferait... On fait, il faudrait le faire gratos, et ouais. moi je suis un capitaliste, donc je ne fais rien gratuitement. Ouais, voilà. puis même, <laughs> on, on, se ferait, euh, on se ferait des lettres par Chuecha, Glénat, ouais, tous oui, les endroits, donc... Euh, pas possible. C'est pas possible. You champ, euh, non c'est Yam chump. Merci beaucoup, dit. pour la temporalité. Je pense qu'ils ne se sont pas pris la tête après euh, DBSSH et avant le 28e. Pour le, pour Diamond, Non, pour moi, ça se passe avant Super, même. Bah, je suis, euh, alors moi, j'ai deux avis. Soit ça se passe, ça se passe effectivement avant Super, comme tu dis, parce que vu les looks, c'est bizarre. Soit ça se passe dans un autre monde, une réalité alternative, un monde alternatif, oh et ouais, du coup, et on n'est bah pas, pas dans le même genre de truc. Ah à la si fin, t'as qui arrive et qui fait hey, <rire> vous... <rire> mais il y a moyen. Il y a moyen parce que c'est très bizarre, ce qu'on voit dans le trailer. Bon, on verra de toute façon. Mais tout mais... est bizarre, je le dis à chaque fois qu'il sort un truc, on trouve ça bizarre. Y a, Rien n'a de sens. Euh, on est là, mais attends, mais. Euh... Bref. DBZ Fan One, merci. Il dit imaginez une vraie scission. Et si Toei en avait marre de DBS, Tori plus Ioku Alors j'essaie de comprendre, hein, puisque tu fais des schémas et en même temps que tu fais un message. Tori plus Iyoku, flèche, DBD et Toyotalo plus Shueisha. J'ai rien compris. DBS envisageable en fait, pour si, vous Il euh, y a une scission oh, D'un ouais. côté, il y aurait Toriyama et Iyoku pour faire Dragon Ball Daima et Toyotalo et Shueisha pour Dragon Ball Super. Ah ouais, bah, c'est la... ce que je dis depuis le début, oui. Non, non, bah, ça devient comme un Star Wars, mmh. je t'avais dit. Euh, il va avoir 36 000 canons, euh, ça, ça va être n'importe quoi. Ouais, mais Toriyama ne quittera jamais du regard des BS. De ouais, toute façon, à un moment donné, il va oui. clamser, hein, donc euh, ils continueront sans lui. Hein. Non, on va tous mourir. Ouais, voilà, hein. il est encore jeune, euh... on va lui laisser encore vivre ses 20. Euh, oui, oui, oui 20, mais Toriyama. Euh... Euh... je suis sur Toriyama, il reçoit des lettres, euh, il dit d'accord avec ça Il fait Ouais, c'est bon, allez, c'est bon. Allez. Bah, après, il y a un moment donné. Mettons-nous à la place, Tollyama il a donné, Tollyama il a bûché, il a, il a, il a fait des trucs de fou. Là on vient de l'appeler parce qu'il a créé un empire. Il voilà, peut-être ça l'a dépassé, peut-être même ce qu'il a créé. Mais à un moment donné, je pense que comme toute personne, euh, tout le monde a droit à une retraite. Après, ça dépend de toi et ton envie de t'investir dans les choses. Hein. À un moment donné, il y a des gens qui ne veulent pas décrocher. J'ai même une théorie un sur moment. son implication sur Daima. Moi je pense que le gars il a fait Ok, je vous fais encore, vous chie encore un truc Dragon Ball, mais vous me laissez faire Sandland, tu vois. Je suis sûr qu'il a dû négocier comme ça Tu veux dire quoi bizarre. Tu veut dire qu'il fait le scénario de Sandland pour Daima Non, parce que c'est bizarre qu'il sorte Sandland. Pourquoi il sort Sandland Ah le film, c'est bizarre. Que c'est vieux, ça passe spécialement au supermarché. Pourquoi il sort un long métrage Sandland tu vois Ouais, mais après il est pas, il est pas ouais, sur le long métrage. Crois. Il a rien fait dessus. Hein. Il a rien fait sur Sandland Bah c'est le scénariste du manga, c'est tout. Ils ont juste adapté son manga oh bah j'ai rien dit alors je pensais que c'était lui qui avait bossé sur Sandland. ah ouais, puis je pense pas que Toliama à son âge il soit dans la négoce, tu vois en mmh. mode euh... ouais, ouais euh, moi je pense qu'il aime bien euh... le pognon il... Il... il en a pas besoin hein. il en a plus enfin, ah on en a jamais trop hein. il en a... <laughs> ouais je... non, mais... <laughs> mais mais voilà mais voilà Toliama il est né en 55 euh... Clairement, je pense que. Mais moi, de toute façon, même, même, moi, maintenant, fait depuis quelques années, la, la caution Toriyama vaut plus rien. Ils ont sali la, pour moi, ils ont sali la marque Toriyama. Tu vois. Je, je vois Toriyama, je fais, ouais, il a juste pris le chèque. C'est tout. Mais c'est triste tu vois, que tu dises. J'ai pas confiance. Parce, bah, Mais Toriyama a validé systématiquement de la merde. Et puis un gage de C'est triste que tu dis ça parce que t'es pas le seul. On en a même parlé il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui doutent justement de l'implication de Toriyama. Ah non, mais il est peut-être impliqué, mais euh, c'est plus un signe de qualité qu'il soit dedans, tu vois. Ah ouais, mais ça c'est -ce revenu, c'est revenu pas mal de fois dans les commentaires, ça je le lis euh, et je, je peux le comprendre. Franchement je peux le comprendre alors parce que. que me... Alors que pour revenir sur d'autres licences, tu me dis Oda est impliqué, je fais j'ai confiance. Ouais mais parce que le manga est encore en cours. Toleama euh, le manga il est fini depuis 25 ans, je pense qu'il a plus la tête vraiment dans Dragon Ball dans le manga comme c'était à l'époque, ce qui est dommage. Non mais ça va, mais... tu prends 10 minutes sur un Wikipédia, t'as le résumé, il sait très ah... bien, dire, il peut pas relire les tomes, faut arrêter, il a foutre. Tu penses qu'il a que ça à foutre Tu sais, il fait les characters design de Dragon Quest, il fait encore, euh, il fait encore des trucs. Moi, je pense qu'il est plus investi dans. Enfin, comment dire ça Je pense qu'il s'investit dans Dragon Ball à la hauteur de ce qu'il veut faire maintenant. C'est-à-dire, il est plus avec euh, déjà le mode de pensée qu'il avait à l'époque, et je pense pas qu'il ait envie de se replonger. Il l'a déjà dit. Hein, il se replonge jamais si dans ses anciens S'il a pas envie, il a qu'à passer la main une bonne fois pour toutes. Toyota, voilà. Toyota. Ouais, c'est compliqué. Parce que là, lui, il est prisonnier est de ça, fait. et nous, on est prisonnier de ça aussi. ça. Ouais. Ouais, mais, mais, ça, mais... Euh, c est, c est... Il a qu'à dire, c'est bon. Il fait, il fait un Lucasfilm. Il fait, vas-y, je donne les clés à, à quelqu'un ouais, d'autre. Mais... Euh... mais il veut Regarde, pas. Regarde, imagine, chef. Ouais, euh... lui, imagine, chef, gars, pour faire un lien parfait. Ton webtoon domaine carton. Ça devient une référence mondiale, c'est tout ce que je te souhaite. Mais vraiment, j'aurais ai plein de fou. Tu passes 20 ans, 30 ans à exploiter ton œuvre et tout. T'en fais un truc que tu kiffes, que les gens adorent, etc. Puis à un moment donné, tu dis, basta. Laissez-moi me reposer. Et puis t'as des gens qui viennent te voir et tu dis ouais mais chef tu peux pas, c'était une œuvre de fou, il faut qu'on continue et tout. et non mais je suis fatigué moi. Allez s'il te plaît tout. Non mais je suis fatigué. Allez s'il te plaît. Bon ok d'accord fait un truc. Mais du coup tu te dis soit je fais rien ils vont me, ils vont ils vont me niquer mon œuvre que j'ai mis 30 ans à faire et que mm -hmm. j'aime. Ou alors je supervise un minimum. Donc tu te sens obligé d'être là mais t'as pas envie d'être investi comme tu comme tu l'étais. Au... Tu moi, vois, je suis euh... beaucoup plus cynique que ça. Moi, je pense que Toreyama il a fait, il me casse les couilles, viens, je vais saboter. <rire> <rire> et le gars, il essaye de saboter, <laughs> mais à chaque fois, ça marche quand même. Il a putain de merde. Vas-y, la fois d'après, il essaye de saboter encore plus. Mais les gens, ils mentent. Il fait, ils, ils, ils m'en sortiraient jamais, en fait, tu vois. Non. Mais moi, moi en fait, moi, je pense qu'il le... il, il... Je pense à la base, il avait fini Dragon Ball. Il a fait sa fin. Il adore sa fin. C'était fini. Ah oui, mais pourquoi voilà. il arrête pas Il peut juste dire, vas-y, moi je fais plus rien, démerdez-vous en fait. Non, Parce mais je, je l'ai dit tout à l'heure. a dû le faire chier. Il a vu il a ce que ça donnait s'il faisait chier. rien et il s'est dit, ça me plaît pas. Je pense qu'il a envie que ça lui plaise aussi. Comment ça ils l'ont fait chier Ils l'ont ils... filé des thunes. Que le gars il le... fait dire, ah, non, j'ai pas envie. Tiens, on te rajoute euh, un million. Bon, d'accord, allez. Je veux bien vous écrire un petit script sur trois lignes. Allez. Ah, faut que je corrige Toriotaro. Il va regarder fait, putain, il est vraiment à chier. Non, mais change ta case. Allez, attends je suis sûr c'est ça. Je suis sûr c'est ça. On va lire quelques superchères avant. Ils s'échangent des fax ou des mails. Oui, ils bossent même pas ensemble. Ah ça c'est sûr. C'est juste ça. Ah ça c'est vrai ça. Mais ça c'est véridique ça. Supervisé par c'est voir, ils lui envoient le script, il fait ouais vas-y c'est bon. Ah non mais alors ça c'est très possible. Ça c'est très possible. Euh, Sensei, on te, on te remercie pour ton super chat. Gitch Gamer, oh, on a encore une en notification en de celle, désolé. Euh, Gitch Gamer, merci beaucoup parce que t'as cassé le, as cassé la cagnotte. Hein. Je sais pas ce que t'as fait. Il salue Salut chef, merci. salut Léo et Max. Pour moi, DB Daima se passera après DB SH, donc super hero, pour rebooter et niveler tous les niveaux de puissance et recoller au 28ème Tenkaichi Budokai. Pour l'armure de Vegeta, il aurait très bien pu remettre son armure entre temps il n'y a pas vraiment d'incohérence. Oui, ça c'est vrai, mais le côté reboot les puissances avant le 28ème qui a l'intérêt. Peut-être pour que ce soit plus logique, le combat Goku-Ub, qui est pas de forme divine. On se retient, on peut le Je suis d'accord, mais après on peut penser à... C'est un aveu de faiblesse si c'est ça, c'est-à-dire que t'es parti dans une direction, et en gros ça revient au même que de dire, en fait tout ça n'était qu'un rêve. Rien bah non mais utilisé. sinon si c'est ça autant Daima tu le ah, fais ouais. après ou et puis voilà l'affaire elle est réglée hein Il y a pas des... Je vois pas pourquoi ah, bah, c'est euh... ce qu'il aurait fallu Ce qu'il aurait fallu pour moi mais bon C'est complètement con ouais, enfin... Hugo qui dit Je vois pas l'intérêt de faire ça en fait Mais après mais encore une fois nous ça nous paraît con mais eux peut-être que ça a du sens, ouais, ils hein, ont peut-être raisons raison euh, de faire ça hein. ouais. C'est bizarre le... dans le trailer, il n'y a pas de virus, il y a pas de... Il n'y a pas Gwaine. Il y a pas de, de Wiz. Oh, donc on n'a pas beaucoup d'indices. Tu vois, on a, on a Trunks, Goten qui redeviennent bébés. Goten bébé, et mais... Trunks qui deviennent bébés et pas enfants, ça indique qu'ils étaient pas adultes avant de se transformer. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, ils étaient petits et donc ça se passe avant qu'ils soient grands. Ça se passe avant des super héros. Sinon, ça Après, ils étaient peut-être ados le... le... comme dans SH, tu vois. Et après, il y a l'autre truc qui est de Bill, c'est qu'il y a Kayoshin et Kibito qui sont séparés aussi. Ouais. Tu dis, bon, euh... Ça, c'est le truc qui et, fait. Imagine, que... il n'y a pas d'explication et qu'ils sont juste séparés. Et que ça se passe avant euh, Battle of God. Et et ben, on, on va péter un câble. <laughs> on va péter un câble. Vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul mec. Parce que si les mecs de la Dragon Ball Room et tout, là, ils sont vraiment des fans de Dragon Ball, ils ont dû voir dans le script que ça marchait pas. Il mm n'y -hmm. a personne qui a dit à Toriyama, mais ce pas possible, ça, en fait. Mm -hmm. Bah Comme avec les cheveux bleus à l'époque. Euh, ils le se tous. Dessus à un point incroyable et que le Toriyama ça doit être vraiment un connard parce que c'est pas pas normal que, euh, que les gens aient peur de lui dire qu'il s'est trompé, euh, soit ils s'en battent les couilles. Après, c'est pas la même ça. culture, il hein, y a le respect, c'est un sensei, hein, il a acquis le, le, le rang ultime. Il hein. euh, y a des limites quand même. Non, au Japon ça rigole pas avec ça. Et le respect des fans, il est pas là, le respect de la clientèle, il est pas là. Quoi. Est, Certes, mais ça marche pas comme ça. ça, ça euh, Vas-y maintenant, euh, le chutrun trunk les cheveux bleus, point barre, c'est bon. C'est ça. D'accord, bon. <laughs> c'est ça où il y, une, il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire que Dragon Balls mérite quelques... de crever, c'est tout. A... C'est un objet commercial, ils le savent, et en même temps, tu peux pas trop dire quoi que ce soit sur ce qui est fait. C'est compliqué, c'est très compliqué le Japon pour travailler. Ouais, avec ça, pour ça, même je comprends pas encore une fois, parce que en fait, même si vous voulez faire juste du fan de service bête et méchant, il y a des autoroutes de trucs à faire. Ils les font mmh. jamais. Pourquoi en fait S'ils veulent faire de l'osé, fais-nous un arc euh, Universis, on va voir les Saiyens, hop Mmh. Mais bien sûr, et même, mais même vraiment, ouais. tu, 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 tu me donnes, un, tu me tends une perche j'allais dire, si tu voulais renouer avec du voyage, renouer avec euh, des chorégraphies, renouer avec d'autres choses, etc., pour vraiment repartir sur un côté Dragon Ball, euh, sans pour autant les rajeunir et faire crier au scandale les gens qui ont peur que ce soit un GT bis. T'aurais pu faire un truc qui se passe même après le 28 e bidon. Ou bah euh, voilà, euh, Goku veut emmener Uub euh, pour, euh, je sais pas, le faire voyager euh, pour son entraînement, je te dis n'importe quoi. Et puis euh, partir euh, visiter les différents univers, euh, ou parce qu'il y a une nouvelle menace, ou parce que, ou parce que pendant des années, euh, le vœu qui a été fait euh, de ressusciter tous les univers détruits a ressuscité les autres univers qui avaient été préalablement détruits, et il y a une menace qui plane, il faut partir. Mais il y a vraiment du voyage, on visite les univers, on découvre d'autres contrées. Cela par le, le, le les différentes choses qu'on a eu dans le tournoi du pouvoir. On n'en sait rien, pour l'instant ça a servi à rien cet cette, cette étalage de, de nouveaux univers, de nouvelles tribus, de nouveaux horizons, un gros mystère sur l'univers 1, 12, 5 et. et non, pas 5. Euh... Euh, 6, 5 et 8 qui n'ont pas été exploités et du coup on se dit mais pourquoi cette fameuse time machine qui est censée avoir il y a un boulevard on aurait pu repartir sur du voyage découvrir de nouveaux horizons de nouvelles planètes euh, faire apprendre à Ube des chorégraphies de combat et pas partir sur l'ultra instinct ultra ego violacé Ube j'aurais pu faire des trucs hein. et je suis sûr les gens ils auraient signé ils auraient été fans et puis on aurait découvert aussi des trucs du lord de dragon ball et dragon ball super parce que ils sont rentrés dans une fissure il bah, fallait faire t'aurais pu t'aurais pu t'aurais pu donc je suis mmh. l'absence voilà, avec des surprises mais... alors les gars on va finir avec les superchats et après je, je, je vous propose de terminer sur une question pour le chef quels sont tes espoirs pour Dragon Ball ouais. Daima tu nous diras ça dans, dans quelques ouais, instants ça, ouais. puisque c'est effectivement euh, la, la série sur laquelle on se dirige oui, oui, Max, c'est ça Merci beaucoup pour ton super chat, pour tes deux super chats même. J'ai l'impression que tu as supprimé ton deuxième message. Il disait ⁇ Bonjour, selon vous, est-ce qu'il temporise sur l'âge des seiyuu avant de changer de direction, genre un remake de l'anime Dragon Ball ?⁇ Oui, Max, as dû voir nos précédents lives, je pense. Parce que bah, selon nous, il y a des chances... Qu'est-ce que t'en penses, le chef d'ailleurs, de ça bah on en parlait aussi avec mon frère en podcast il n'y a pas si longtemps, euh, du fait que Noza... Na... Naoki Nozawa, non comment ça s'appelle Masako ça. Nozawa. Masako Nozawa. Naosoko Nozawa, ouais, c'est vrai qu'il a commencé à avoir 87 ans, un truc comme ça, ouais. un truc comme ça, non Comment ça se fait vieux Bon, ils vivent vieux les japonais, mais bon, euh, elle ne sera pas éternelle non plus, euh... peut-être que c'est un peu le jour du signe, genre vas-y on fait une dernière série et puis après... Euh... Et après on va changer la voix, je sais pas. C'était quoi la question de base en fait que je me suis un peu perdu. Bah en fait, parce il, il, il demandaient justement je... si il... Je... il gagnait pas du temps euh, avant de faire une un remake quoi. Bah ce <laughs> trouve ils vont la cloner avec l'IA là. Es... <laughs> ouais, mais tu rigoles mais ouais, il y a des questions qui se posent de ouf hein, avec ça. Il y aurait des Oui, bon, de... bon, qu qu parce qu'elle fait fait au moins 6 euh, ou 7 personnages euh, dans Dragon Ball. Elle. Ouais. Goku, ah bah, Goran ou elle est payée que un rôle. <laughs> non, elle est pas payée un rôle. Bah t'es payée... Alors je sais pas comment ça marche au Japon. Je. je... Peut-être que ça marche à la journée. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a les infos. Je sais que en France t'es. Enfin pour les pour les petits rôles hein. T'es payée... pour les ouais. petits rôles hein, J'entends. T'es payé à la ligne. Pour les gros rôles, j'imagine que c'est à la demi-journée. Euh, au Japon, je ne ah sais ouais, pas du non, tout. Non, mais là, là c'est un, 5 étoiles. Elle, elle a un vrai contrat. Elle pas, c'est pas un pigiste. C ah euh, non non, un non, vrai elle, truc. Elle a, elle a un contrat, euh, mais on en, on n'en connaît pas les clauses. Oui, non, surtout, mais je dire, surtout, elle pas à payer comme un jeune rookie qui débarque. C'est un sûr. trésor national. La ça, c'est sûr. Mais euh, euh... pas de, j'ai pas d'informations sur comment ça marche au Japon sur ça. Ah ouais. Enfin, je... bref, c'était pour la blague. Je sais mais euh... juste que si tu fais appel à un, un gros CEU, il, il est cher par rapport à un, un random. Mais ça, c'est normal. De toute façon, Dragon Ball va survivre à Toriyama va survivre au doublage va survivre à tout ça. Il nous survivra, oh, nous... survivra plus probablement nous aussi. Oui. Euh, comme Batman donc euh, il faudra forcément que ça se renouvelle à un moment donné mmh. d'une manière ou d'une autre mais c'est ce qui aurait de plus so soit de oh, toute, toute façon sa voix non, va être non, vendue à une IA non, 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 qui va être c est c est capable de voilà avec ce qui se fait aujourd'hui de, la... de la refaire si elle a son autorisation oh le scandale si il a il a le... ils le font pas ils le font... font pas ça bah, sauf si c'est elle qui donne son accord, mais j'en sais rien, je... ça on en sait rien, on verra. Ouais, on verra, on enfin, bah ouais, ouais. Mais... Et si c'est pas le cas, euh, moi je pense que tant que ça n'a pas été accordé officiellement par Masako Nozawa, admettons, de dire oui, j'accepte ce truc-là, je trouve pas ça déconnant d'attendre de... euh, avant de faire un remake pour que qu il y ait nouveaux seiyuu pour que Goku reparte sur une aventure qui peut partir des mois et des années. Hein. Mmh. Si tu repars sur un remake de Dragon Ball. Non, pas parti pour 6 mois, t'es reparti pour plusieurs années d'animation pour couvrir tout de... en se basant fidèlement au manga, tu vas bien taper les 200 épisodes, même si tu raccourcis certaines choses. Mmh. Donc, euh... Ouais. Voilà, oui. Merci Sophie. Ah bah voilà, elle est partie, on arrive à l'arc de Baba, mais ça y est, on a pu la série au principe. Bah non, euh, tu peux pas, que... pas faire ça. Ah. Donc voilà, ouais, c'est une faire bonne faire question, euh, Oui Max, effectivement, ton, ton, ton message. On espère avoir pu y répondre au mieux. Sofiane, merci pour ton super chat avec Xenocore aussi. Est-ce que vous pensez que le rajeunissement ne sera pas annulé au bout d'une dizaine d'épisodes uniquement pour faire gueuler les fans C'est la question de Xenocore. La question finale. On ne sait même pas il y aura combien d'épisodes. Euh... Non, on ne sait pas. Bah, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'on repart sur un anime fleuve Est-ce que c'est un truc euh, saisonnier En fait, les deux sont possibles. Moi, je vois bien l'anime fleuve en vrai. Ouais. Après, après il ils n'ont pas, par... pas parlé de diffusion. Après, euh, si on suit les rumeurs Dragon Ball Magique, a priori, ça serait que du simulcast. Ça serait du streaming. Ça serait un web animé, comme ils disent. Il y a une Donc personne là, qui est assez euh, connu, euh, un, un Un tweetos et youtubeur qui est assez connu dans le domaine de l'animation, qui a des contacts à la toile, qui aurait, je prends le conditionnel, c'est peut-être des leaks, c'est peut-être des rumeurs, je n'en sais rien, mais qui aurait dit que euh, les animateurs eux-mêmes ne savent pas le nombre d'épisodes que que ça va avoir, et que le... Comment dirais Le... La série, elle s'est étoffée et l'ampleur s'est élargie même au cours de la production. C'est-à-dire que le temps passé par certains membres s'est étendu au-delà de ce qui avait été accordé au départ comme... Ah d'accord je ça. Donc, le format de sortie est pour le moment même pas 100% sûr et défini. C'est des C'est des leaks. C'est des, euh, des rumeurs, pardon. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. C'est pas, pas des leaks officiels. Le gars a, a dit que... Je sais pas si c'est vrai. Hein. Ne, ne commencez pas à dire que ce que je dis, c'est à prendre pour argent comptant. Les rumeurs de quelqu'un qui côtoie, dit que On verra quand ça ah, sera ça annoncé, se trouve... de toute manière. Hein. Ouais, si ça se trouve, ça sera. Enfin, ça a pris... moi j'ai du mal à. J'y je, 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 crois pas trop au format 12-13 épisodes. Je pense que ça sera plus. En vrai. Mais mmh. On verra bien après 12-13 épisodes, 25-26, une cinquantaine. C'est ah, rien, Bon bah moi en tant que capitaliste euh, refaites nous 120 épisodes là comme la euh... dernière fois on est main mais d'ailleurs vu que on va terminer le live là c'est quoi tes espoirs finalement sur sur Daima qu'est-ce que t'espères pour cette série alors évidemment à part faire des vidéos et engranger un max de thunes hein. <laughs> non tes espoirs dans la série en tout cas dans la série, bah, j'espère être surpris agréablement. J'espère que ça va rallumer, ne serait-ce que temporairement, un peu la flamme. Parce que là, euh, franchement, j'ai plus de force pour Dragon Ball. J'espère que euh, ça va remettre Dragon Ball sur le toit du monde, en fait. C'est ça que je veux. Oui. Je veux que, tu sais, les One Pieceux qui s'enjaillent un peu trop, qui prennent trop la conf, <laughs> qu'on leur montre, c'est quoi, tu vois <laughs> Il est con. Il est con. Pour boire, pouvoir relever la tête et dire Nous aussi, on mange, tu vois mm là, les fans de One Piece, ils vont dire, vas-y, votre licence est plus du cul, tu veux, tu, tu veux leur répondre quoi euh, tu, veux, tu peux rien leur répondre. Tu vas leur sortir quoi Tu vas sortir Guanese des cj 2 ça a 30 piges, c est, c est, tu vois, c'est passé. On a rien. Tu sais, allez, l'ultra-instinct, mais même ça commence à dater, mais l'ultra-instinct, c'est la cerise au-dessus de la montagne de caca, tu vois. Donc, euh, un Dragon Ball qui nous respecte, de nouveau. Bon, Broly, on avait bien mangé quand même. Bon, j'avais pas trop aimé la deuxième partie du film, mais on avait quand même bien mangé, tu vois. Mais remettre, euh, ouais, un Dragon Ball. Euh au moins que tu sens qu'il y ait des efforts qui ont été faits dedans. Voilà, visuellement, ça a l'air incroyable, euh, mais j'espère que dans l'histoire aussi, j'espère qu'on va avoir à nouveau des émotions autres que la lassitude et la déception. Je veux arriver, à allumer ma caméra avec un grand sourire en disant « Waouh !» Tu vois C'était incroyable, j'ai kiffé, j'ai eu des frissons. Je veux revivre ça. Je veux applaudir avec mes, mes grosses paluches en faisant wow, « Waouh 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 !» Tu vois ouais. je, je veux vibrer à nouveau, je veux ressentir la passion, en fait. Donc j'espère qu'on l'aura. J'espère qu'on l'aura. Euh... Après, je critique, mais Dragon Ball Super, on a eu quand même des bons moments aussi, tu vois. Oui, oui, J'arrête pas oui, de dire oui. tu vois, faut que de dire tu vois, ça, ça m'énerve. Euh, Vor Black, c'est qui Black, tu vois C'était fou Ouais On était tous en train de faire nos théories, Black Goten, euh... Goku des Ténèbres, <laughs> on savait pas trop ce que c'était. Euh, c'était dingue. Malheureusement, derrière, ça a pas tenu ses promesses, mais il y avait quand même des... y avait quand même eu des moments où on était là. Voilà, Le moment où, euh, même tournoi du pouvoir, on voit que c'est 17, en fait, il est pas mort, on était là. Oh Oh ça on l'avait vécu on ensemble, ouais. En... On était ensemble. Beaucoup de freezer ai... qui finissent Jiren, c'était incroyable, ah, c'était ouf. ouf, tu vois. Mmh. Donc il y a moyen de faire mais des mais trucs. Il y a moyen d'aller chercher de l'épicness et mais moi je il faudrait. Énormément. En fait, moi j'aimerais ça, mais surtout le long, tu mmh. pas, pas, Pas sur. Vas-y, c'est combien C'est 120 épisodes, 121 épisodes de Dragon Super 131. 131, allez, il y en a eu quoi 25 où on a vibré En vrai Et encore plus généreux bah là j'ai envie de voir s'ils me font une série de 25 épisodes, je veux que les 25 je vibre. Les 25 je sois comme un fou, que je, je sois pressé de voir le prochain. Tu vois. Je veux vivre ça, mais en permanence. Comme les fans de One Piece, ils sont comme ça tout le temps. Et même je suis ils sont comme des fous tout le temps. Je veux je veux revivre ça. Alors oui, bon, j'ai passé là, j'ai 33 pieds, j'ai passé là, j'ai manger sur des dessins animés, mais je veux revivre ça. Euh... Faites-moi rêver un petit peu. Surtout en ce moment, le monde c'est de la merde. Ça pue la merde. Faites-moi rêver un peu, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. C'est simple en fait, hein, comme souhait finalement. Mmh. Tout ce, ce sera notre point commun hein, parce que... que Léo comme moi, je sais que c'est ce qu'on veut. On veut pouvoir rêver, on veut pouvoir se dire putain c'est bien quand même, ah oh, c'était top, c'est pas incohérent, ça c'est bien, c'est beau, c'est... Et même la piste son, moi, moi j'accorde énormément d'importance aux musiques tu vois. Faut que ce soit symbolique parce que les moments que tu soulignais Goku Black, il y a eu son thème, c'était fou. Euh, le tournoi du vrai. pouvoir ultra instinct, il y avait son thème. Dès qu'il y a une, un thème fort, comme ça, un thème euh, musical qui t'entraîne, la, 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 la dimension est pas du tout la même. C'est pour ça que même Molo et Granola, s'il adapte, ça changera pas les Goku Susano qui puent la merde et les différentes choses. Hein. Mais j'ai toujours dit, si l'animé était beau visuellement et que les méchants, genre Molo, avaient un thème, tu vois. Un thème ouais, mais rien que la scène où Molo, il transperce Goku, si c'est bien fait, ça peut être fou, tu vois, en fait. Là, oh Tu vois ce que je veux ah dire ouais. a... avec, le, avec le thème Molo, tu vois, un truc vraiment sombre et tout qui colle au personnage, comme quand on a euh, Goku Black qui fait un... Tu te chies dessus, t'écoutes ça, tu fais... Ah, putain, ça ouais. aurait été amélioré. Ça changera pas le scénar. Hein. Mais la perception plus spectaculaire, plus popcorn, aurait déjà été... Euh, voilà. Et donc, bref, pour revenir sur Daima, il faut aussi qu'il y ait des trucs forts comme ça. Les musiques, ça accompagne chaque euh, seconde de chaque scène, hein, donc il faut aussi que ce soit. Euh, L'avantage aussi, qu'à qu Daima, c'est que c'est une nouvelle série, donc tu peux vraiment créer un nouvel ensemble, un nouvel habillage, un nouvel univers, euh, de Bien. nouvelles musiques. Ouais, ouais. Euh, tu, peux, tu peux tout créer nouveau. En fait. Tu pars de, de zéro, tu aussi, peux mettre le paquet dès ouais. le début. Hein. Les, les C.U. Est -ce, des putain, c'est une CU. question, ça, parce qu'ils ont tous rajeuni, du coup. Donc, il y a des persos qu'on n'a jamais vus jeunes. Donc, il va y avoir une, une moitié aussi qui va être euh, peut-être nouvelle. Ouais. Et puis, les nouveaux ennemis ou méchants, quoi. S'ils ont des, des, des CEU emblématiques qui ont une capacité à t'emmener euh, dès qu'ils parlent, ça peut changer. Et, 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 le, et des, des vrais méchants, des méchants qui foutent vrais, un peu ouais. les jetons. Ouais. Ça, j'ai envie de dire... Pas des rigolos. C'est peut-être, à la limite, l'un des trucs les plus importants, c'est des méchants vraiment qui soient un peu... Euh, important pour le, le scénario, quoi. Parce qu'on dit tout le temps, euh, une bonne histoire, c'est aussi, enfin, une bonne histoire euh, dans, dans un shonen manga où t'as de l'adversité et tout, c'est aussi avoir un bon méchant. Si t'as pas un bon méchant, bon, euh, l'enjeu il est zéro, quoi. Bah ben, c'est ça. Et c'est ça aussi la difficulté d'avoir encore une fois euh, mis euh, pour Dragon Ball Super la temporalité à ce moment-là, mmh. parce que comme tu sais in fine ce qui va se passer, bah t'as moins peur du méchant, même s'il a du charisme, parce que tu sais où tu vas retomber, en fait. Sais pas te dire, ouais, mais imaginons, ouais, Dragon Ball, il n'y a jamais personne qui meurt. Mais imagine quand même, il y en a un qui peut mourir dans un coin de ta tête. Tu peux toujours te dire. Mais si tu sais déjà la réponse, bon, moi, moi, à titre, c'est très personnel, ça n'engage que moi, Max, hein. ça n'engagera personne d'autre que ça. Moi, il faut vraiment que je fasse abstraction de ça pour Et ne pas penser euh, au fait que je connaisse la fin, pour, pour profiter des fois de, de certaines choses. Parce que ça me boude mon plaisir, en fait, de savoir. Parce que tu me fais un post 28 e Tenkachi Budokai, je ne sais pas ce qui va se passer. Même si je me lis dans Dragon Ball, il euh, y a des gens. Euh, voilà, les, on connaît les capacités des Dragon Ball à ce moment-là. On sait que maintenant, il y a les super Dragon Ball. Mais il faut quand même plusieurs choses avant de pouvoir les réunir et faire un vœu au travers des super Dragon Ball. Ce n'est pas aussi simple. Bon, bah, s'il arrive quelque chose à quelqu'un, ou je sais pas, admettons, je dis n'importe quoi, euh, euh, comme Kakume, euh, Goku se fait capturer, ou alors il a deux doigts de mourir et il faut aller euh, le sauver, mais tu sais pas ce qui va se passer parce que tu ne connais pas la fin, tu vas vibrer un peu plus. Tu es un peu plus en mode bon. Alors, comment ça va se passer Est-ce que. Ah, ça me fait stresser, tu vois. Bon, voilà. Et du coup, ça rejoint le, le, le gros méchant. Il y, beaucoup, il y a beaucoup de facteurs qui font que... Voilà, il faut, faut Pour te mettre dans l'ambiance de A à Z, et pas de A à M, ou de A à, à U. Et... C'est un ensemble. J'espère qu'on va vibrer. Moi, j'ai j'ai envie de leur faire confiance. Hein. C'est tout nouveau. J'ai envie. J'ai envie qu'on vibre. Pareil. Je pense que moi, j'ai envie de leur faire confiance. D'autant plus qu'ils ont changé pas mal de trucs, tu vois. Le... Ils ont changé une bonne partie du staff. Re... Voilà. C'est pas forcément un point positif de changer tout le temps de staff, mais quand on est passé par Super Hero tout en CGI, qui était vraiment à l'opposé de ce qu'on voulait voir, alors qu'on sortait de DBS Broly, où je pense que techniquement on était quand même abouti, j'ai envie de leur faire confiance, surtout qu'ils remettent Nakatsuru, qui était le character designer de la deuxième partie de DBZ, et qui était character designer de DBGT. Donc euh, pas de la merde, tu vois. Je me dis même, bon. Kubota, Takashi, enfin euh, Takarashi. Euh, je me dis ils mettent euh, des euh, de sacrés euh, bonhommes qui ont œuvré sur les meilleurs trucs de Dragon Ball ou en tout cas ce qui ont plu le plus à la fin de base, tu vois. Euh, en et termes techniques. C'est hein, de pas. la com hein aussi. Euh, ah peut-être. Peut-être. Peut hein. Parce que surtout, si, on se, si on se tape un animé fleuve, on va forcément se taper des épisodes de déchets. Hein. Après ils sont en avance d'au moins 6 euh, mois 1 an là. Donc, euh... bah, de ce qui a été dit encore une fois d'après ces fameuses rumeurs, c'est que la production a commencé fin 2021, euh, la Toei a créé un pilote en début 2022 pour que Toyama et euh, Shueisha euh, approuvent, et le staff technique aurait été recruté en avril 2022 et l'animation aurait démarré en octobre 2022, justement quand Dragon Quest mmh. euh, date. Donc, donc il y a un an. Ils ont un an de taf, plus un an de taf supplémentaire, donc ils auront deux ans de taf actuel, sachant que là ils Merci sont sur Megastar de... euh... après je dis ça ah, mais les Dragon long. Quest c'était assez régulier niveau animation il euh, y a eu pas mal d'épisodes pourtant 100 épisodes, euh... euh, sans... ouais. ouais mais c'était assez propre tout le long enfin, j'ai pas regardé tout hein, mmh. mais euh, il me semble que c'était assez propre tout le non, long, c'était euh... propre hein. il y, a, bah, y, a le y a One des piece, épisodes hein. avec et des épisodes sans mais oui, oui. même One Piece hein, tu vois euh... ils ont mis le paquet sur l'arc Wano c'est d'une très bonne qualité de réal et d'animation Oh, le rythme est horrible, mais ouais, le, rythme est horrible, est le rythme est horrible. Le rythme est horrible, on est d'accord. Mais après c'est beau. Donc euh, si on peut avoir un bon rythme et que ça soit beau sur Daima, écoute, Et bon surtout un bon scénario, ça, bah, ça qu'on veut. Ça, le rythme, le rythme, on va pas souffrir de quoi que ce soit parce qu'il adapte rien, Daim. Il adapte ouais, pas, il pas le manga. Pas... oui, oh, mais, mais il y a quand même. Euh, mais... Ouais, c'est vrai, ouais, T'as raison. Non mais ils vont, ils vont aller comme ils ont envie d'y aller. Ils sont pas en mode ah va pas trop vite. Oui, on va pas se dire. Ouais, euh... Non je parle de rythme. C'est vraiment dans bon le montage genre euh... il y avait ça dans Dragon Ball Super aussi hein, où Vegeta il met trois pompes à finir sa phrase. Euh... Tu sais les combats il y a un coup de poing puis après il se regarde il y a un autre coup de poing. Ouais je vois ce que tu veux dire. ouais Ça c'est super énervant. Mais bon on verra bien. Euh... Moi je suis pas Alors confiant, je les... suis pas méfiant, c'est suis presque indifférent. J'ai envie de dire on verra bien. T'sais. T'es passé de beaucoup le... d'espoir avant le trailer à indifférent. Indifférent, c'est peut-être pas le mot, c'est blasé, tu vois. c'est ouais, trop gros. Je pense que t'as peur, en fait, je pense que t'aimes tellement Dragon Ball... Tu sais, c'est en mode, vas-y, finis-moi, tu vois. Victime, non, en vrai, ouais, je victime que... le mode victime, en fait. <laughs> moi, moi, moi j'ai l'impression, chef, que t'aimes ai, tellement Dragon Ball, et t'as tellement peur d'être déçu, encore une fois, que tu préfères... Euh te mettre des garde fous et ne pas le mettre sur un piédestal et te dire bon on verra comme ça si c'était de la merde. Ben, en et fait que tu maintenant on fait la des scission des entre le manga d'origine qui reste toujours aujourd'hui même encore aujourd'hui. On a dit c'est porté par la nostalgie. Non Dragon Ball aujourd'hui ça reste quand même un excellent manga. Largement. Euh, par contre Dragon Ball super c'est porté par la nostalgie parce que c'est vraiment de la merde. Euh, c'est parce qu'il y a l'aura Dragon Ball que les gens regardent en vrai. Donc euh, est-ce que je suis trop fan pour kiffer Je sais pas comment expliquer le, le délire mais euh... Je sais pas expliquer en fait. Que je resterai... le, le manga restera toujours incroyable. C'est mon manga de livre as de T'as des jeu attentes, tout ce que tu veux. Y a pas de souci. Mais là, euh, c'est comment dire. C'est pas que j'ai peur d'être déçu. C'est que j'ai l'habitude en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est comme les enfants On battus. En... Ils évitent plus les coups, tu vois. Putain, <laughs> la hardcore là. <laughs> là, là, là la comparaison. Ouais. <laughs> la comparaison violente. <laughs> des et tu sais que tu vas prendre une raclée, et tu fais allez vas-y. <laughs> bah, c'est un peu ça, je fais vas-y, allez. Et au final, en fait, on te fait un câlin, t'es là, oh Oh, oh. <laughs> C'est un peu ça. Bah écoute. On espère en tout cas ressentir l'âme de Dragon Ball. Dans Dragon Ball Daima, c'est tout ce qu'on demande, un peu tout ce de veut. frisson, de pouvoir rêver. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous sur ce live qui se termine après bientôt une heure et demie de live quand même. Et une oui. heure et demie, ça passe vite. Euh, c'est passé tellement Merci. vite. Après, c'est l'avantage de ces lives animés, c'est qu'il y a beaucoup de sujets, on parle de beaucoup de choses, euh, on peut avoir euh, des avis différents. Le désavantage, je suis désolé, c'est qu'on peut pas lire tout le monde hein, évidemment, mais ça c'est tous les lives. Hein. Ouais. Vous êtes beaucoup, mais je on vous remercie fini, pour ça. Vite, hein. On vous remercie vraiment. Ouais. Euh. N'hésitez pas d'ailleurs à donner vos avis hein, par rapport à tout ce dont on a parlé, tout ce dont on a discuté dans les commentaires, hein, que ce soit en rediffusion euh, ou là si vous n'avez pas pu. Merci en tout cas. Beaucoup à tous, merci au chef de cette précédente. C'était un plaisir. Plaisir partagé, ouais. merci beaucoup d'être venu. Eh bien, tu, tu reviendras hein euh, oui, euh, oui, à l'occasion. Ouais. On parlera de, de Daima, tout ça. Peut-être même que. Vous, vous da... inviterez moi aussi. Bah écoute, ça ça carrément. De sens, ouais. carrément. Eh bah, avec plaisir. Avec plaisir. Et, Et. nous dit, on se fera un truc, mais voilà, encore une fois. Euh... Euh, je, je te remercie de l'amitié que tu as fait, d'être d'être venu. Et puis, bah, qu'il y a pas de gros euh, euh, principe. Non, non c'était c'était très cool. On a pu développer des idées. Après, c'était pas vraiment un débat parce qu'on était globalement assez d'accord au final. Bah, finalement, ouais. euh, Finalement, j'ai été surpris. Tu vois, il y avait pas mal de monde qui annonçait des avis différents, etc. Mais comme quoi. Euh... Oui, après moi, je suis salé au début, puis après, bah, je prends le temps de. J'étais dans l'émotion, puis après, je suis plus dans la réflexion. C'est comme quand, donc, quand tu bois la, la tasse. D'abord, mais... ouais. c'est salé, après, ça va mieux. Voilà, après j'explique <laughs> pourquoi je suis salé et puis tout le monde finit par comprendre et puis voilà. Après on n'est pas des mongols en mode hey, ouais. Fang Fiba Iba, comment il s'appelle Je <laughs> <laughs> sais plus quoi. Eh. On n'est pas dans ce délire-là toi, on est... après on est on a... on a plus 15 ans on peut... on peut discuter aussi. Eh oui. C'est ça un débat bon. mature, mesdames et messieurs. On va quand même faire une heure de, dé de débat sur un putain de dessin animé. Hein. C'est ça. Et j'ai euh, de grandir. Hein. Après, après euh... <laughs> qu'on aime l'œuvre euh... On a des chaînes sur des mangas et des dessins animés, donc à un ah. moment donné. Hmm. Donc c'est que déjà, de base, on part pas non plus dans un désaccord total. Hein, parce que... Ah bah non, de euh, toute façon, on se, on, se, on se retrouve sur l'amour de Dragon Ball, et ça c'est beau. Exactement. Nul à chier comme ça. <laughs> non, c'était bien. On allait conclure euh, sur ça. mais mais. Euh, mine de rien, je suis sûr que notre rencontre et l'amitié qu'on a développée elle a été euh, forcément euh, amenée aussi par Dragon Ball quelque part. Hein. Ah oui, non mais il y a un lien forcément mais, façon euh, Est-ce qu'on peut pas dire voilà, euh... Dragon Ball vecteur de l'amitié Si bien sûr. ouais, euh, c'est beau hein. bien sûr. <laughs> Ça pue la merde. On bah, rigole pas et Léo et moi on en serait pas. Oui, mais euh... c'est vrai. Bon, on va ça, pas hein. raconter nos vies mais, mais c'est très vrai. Bah écoutez, on va se conclure ce petit live. C'est beau. C'est ça. Et on va conclure ce live. Dragon Ball, justement, se retrouvera pour d'autres occasions. Merci au chef d'avoir été là. Merci à toutes et tous. Dernier teasing, dernier teasing. il passe vite. Il passe vite. Oh là là, oh là là, oh là là. Vas-y, tu Vas-y, chef. Vas-y, non, mais avant de partir, vas-y, tu peux présenter. C'est vraiment rapide. Vas-y, vas-y. C'est Kaira. C'est Kaira, le live novel. Voilà. Pas mal le nom. Ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Bon, en fait, là, euh, je, je dis la supercherie. Le livre est vide. Hein. C'est juste pour euh, test. <laughs> ok. Test couverture. Le, le, le projet arrive très bientôt. Euh, Et est-ce que tu peux expliquer vite fait ouais. c'est quoi ton projet Où est-ce que les gens pourront le retrouver Comme ça. Euh... Ah, euh, on va faire une. Bon, je le dis en exclusivité, je sais pas quand il sort votre live, mais bon. Euh, là, exclusivité, l on va, faire, on va faire une campagne de précommande du Light like Novel. Ouais. Euh, illustré par Gigito. Ah, euh, c'est une parodie d'Isekai, c'est deux big de cité qui se retrouvent dans un Isekai. Ça va être incroyable. Voilà. Ça arrive. Dans euh, un quel tease Le 7 novembre. Ah, le 7 novembre. Voilà. Okay. Je donne les dates. Okay, okay. Voilà. Et écoute, on sera là le 7 novembre. Le rendez-vous est pris. Vous savez ce qu'il vous, vous reste rentable. à faire Allez voir hein, sur sa oui, chaîne. Euh, euh, Isekaira. <laughs> merci, merci à tout le monde. Merci beaucoup. On est parti. Et puis je vous dis à très bientôt. À, à la prochaine. Ouais, en plaisir. On s'appelle On se fait une bouffe. Carrément. C'est ça. Et puis, euh... ça. Et puis ça. à très vite. A bientôt.